Salut, tu vas bien? Salut Benoît, donc Benoît Rousseau de enlil.com. Enchanté. Donc tu viens, on va faire un tour dans les locaux. Donc pour ce qui vous intéresse, je suis trader en compte propre, mais j'ai aussi une boîte de SEO, Search Engine Optimization. Ça fait toujours super bien, personne ne sait ce que c'est. Grosso modo, c'est une boîte de référencement, j'aide. Moyennant argent, bien entendu, des entreprises à être bien positionnées sur Google. Donc là, on est une petite équipe de 7. Donc je vais vous faire visiter le locaux tant qu'on y est. Donc là, on précise qu'il n'y a personne parce que c'est un samedi cette interview. Oui, c'est un samedi. C'est un samedi, oui, parce que sinon, je te dis pas. Je voudrais pas que tu voyes les mes salariés et tout. Là, ce serait trop intime, quoi. Donc là, on a un bureau sympa. Là, c'est le pôle, on va dire, réflexion, développement. C'est un gars et une fille qui réfléchissent beaucoup. Voilà, on va pas rentrer plus dans les détails parce que le référencement SEO c'est très technique, c'est délicat, faut beaucoup de recherches en fait. Qu'est-ce que c'est le référencement? C'est réussir à être bien positionné sur Google. Donc faut essayer de comprendre les algorithmes de classement. Voilà, et c'est des mecs qui réfléchissent sur des algos tous les jours, qui ont des têtes bizarres, voilà. Là, c'est notre espace de travail détente, hein, donc le minimum pour survivre, un écran plasma pour passer des bons moments, voilà. On a essayé de faire un truc, c'est moi qui mets les affiches, donc j'impose à tout le monde mes références culturelles. Donc celle-là, je la trouve absolument géniale. L'Empire te veut. ouais, c'est le côté. Non, l'Empire a besoin de toi. Yes, ils ont un pire visio. Là, c'est la cafette. Voilà. Donc, on passe pas trop de temps là-dedans parce qu'on va plutôt manger. On se met plutôt des vidéos le midi. Voilà. Une de mes affiches très importantes, ça, c'est l'affiche pour les chefs d'entreprise. Hein. Ça, c'est Madine Medef. Donc, très importante. Futurama. Vous n'êtes pas payé pour penser. Un travailleur est un travailleur heureux. Est un travailleur qui ferme sa gueule. Voilà, c'est un peu le. Ceux qui aiment Futurama, il est sympa, quoi. Voilà. Bon. Et donc, c'est l'ambiance ici, quoi. Ça travaille dur et puis on ferme sa gueule. Non, veut travailler dur. Non, c'est l'ambiance start-up, en tout cas. Donc, ils viennent aux horaires qu'ils veulent, du moment qu'il y a que l'horaire hebdomadaire est fait. C'est très start-up, hein. Donc, tous les vendredis après-midi, si on a bien bossé, on se fait. Un midi, pizza, on se fait livrer des pizzas et puis on regarde un peu les dernières séries. On est sur Viking en ce moment. Ouais. Tu connais? Pas Viking, non. Moi, j'ai regardé Dexter, j'ai regardé Dexter. Lost, j'ai regardé des trucs comme ça, mais Viking, ça me dit rien. C'est vieux, tout ça. Ouais, c'est assez vieux. Ouais. Et un truc, ouais. c'est ironique, hein, ce qui a marqué le temps, parce que justement, tu disais, il y a beaucoup de gens qui sont payés à penser, justement, notamment dans le développement. Ouais, non, mais attends, évidemment que c'est non, c'est Futurama. Il y en a qui vont prendre au premier degré, après, ils vont prendre pour un dictateur. C'est vrai. Non, justement, je suis pas assez patron, tu vois, je suis pas assez ferme ou des trucs comme ça. Parce que mon boulot est fait, ça va, quoi, je veux dire, je suis pas. C'est pas Google non plus, mais au niveau des salaires du moins, mais c'est cool quoi, si le taf est fait. Tu viens là, c'est ceux qui bossent. C'est ceux qui bossent réellement, tu vois, les autres, si c'est des chercheurs, donc des chercheurs comme dira Coluche, on sait jamais trop ce qu'ils font, mais ils cherchent. Donc voilà, c'est déjà bien, j'ai payé à chercher. Et ça c'est plus le côté c'est eux qui font rentrer le pognon, quoi. C'est ceux qui gèrent les clients, le marketing, donc les téléphones et tout. Alors on a du super matériel à tech dont je suis quand même très fier. Voilà, c'est la pub, tu sais, les pubs déguisées. Clavier Logitech. Trackball Logitech. Non, donc, ça c'est. Pas des actions chez Logitech, hein, c'est ça? Acheter, hein, c'est à l'avenir, c'est Logitech. Non, voilà, c'est cool, ça fait des espaces sympas, double écran. Voilà, ça tourne bien. Donc là c'est super calme, hein, parce que sinon. Mais si tu veux, là, ici, c'est pour ça que ça me fait marrer. Là, on a un gars qui bosse essentiellement sur les graphiques. C'est le graphiste qui crée un peu des sites web pour les clients et tout. Et il a un look incroyable, quoi. Tu vois, là, lui, il aurait dû venir, il aurait vraiment fait l'esprit start-up, tu vois. Ouais, les cheveux longs comme ça et tout, la barbe de 5 jours. Mais bon, c'est des passionnés, quoi, c'est ça. J'ai réussi à trouver des gens passionnés, donc c'est cool, quoi. Voilà. Ça c'est. Et là c'est mon espace de boulot. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on la voit cette affiche sur ton blog, sur Enlil. Non. Ah non mais il y a le smiley qui est là, je crois que c'était une photo que tu avais prise toi-même. Ah ouais, non.
pas spécialement. Tu passes pas 7 ans sur mon blog, c'est dommage. Hein. Bah, moi aussi, j'ai un boulot. Hein. Je peux pas aller tout le temps. Mais ah, t'inquiète pas, clair. Que je regarde déjà bien assez. Crois-moi. Mais moi, je vais pas assez sur ton site. Parce que franchement, bravo le concept des vidéos. Il faut quand même que les gens se rendent compte que c'est un boulot monstrueux. Quoi. Parce que là, tu viens de Paris pour venir me filmer, passer une demi-journée avec moi à Tours. Chapeau, le gars. Hein, mais il y a du boulot derrière. Vraiment bien. Et alors ça, c'est ma station de trading. Alors c'est en fait un quiz, c'est à quoi reconnaît-on le chef? C'est celui qui a le plus d'écran, tu vois. Donc c'est là, avec ça, je bosse et je trade. Donc on va se mettre en situation. Voilà, donc hop, je passe devant, ça on ne doit jamais faire, je crois. Donc voilà, grosso modo, je passe, ça c'est le micro, où je passe quelques... 10 heures minimum par jour de ma vie, donc les emails, je traite sur ces trois écrans là. Donc là, je passe mes ordres. Là, j'ai mes graphiques selon différentes UT. Ouais, attends, on va peut-être pas tout filmer parce que non, là, bah, non. De toute façon, je vais... tu vas flouter sinon. Ouais, et puis là, c'est mon boulot SEO. Voilà, en gros, voilà, c'est rigolo parce que comme c'est assez grand, on discute par Skype. D'un bureau à l'autre, on est sur Skype ou on gueule éventuellement. Voilà, donc c'est un peu l'espace de travail. Moi, je suis tout seul là parce que j'ai besoin de concentration pour le trading. Ça, c'est le truc qu'on a mis au point hein, avec mes employés. Quand par exemple, je suis en position, que c'est du scalping, que ça se joue à quelques secondes, ils rentrent et s'ils voient que je ne réagisse pas, ils repartent. Sinon ça marche pas. Donc... il me faut beaucoup de concentration. Donc comme ça discute pas mal, qu'il y a la musique de temps en temps, j'ai préféré m'isoler aussi, voilà, pour plus de concentration. Ok, très bien. Eh ben, je pense que maintenant on va passer au trading avec l'interview. Bah, donc, pour ça. C'est parti. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Nous sommes ici dans les locaux de Benoît Rousseau et de son blog que je pense la plupart des traders français et francophones connaissent, donc nil.com. Chronique d'un trader, je crois que c'est le sous-titre ou quelque chose comme ça. C'est Trader Inside, un côté Intel Inside, voilà, c'était, je trouvais ça assez amusant. Ok, alors Benoît Rousseau, c'est beaucoup de choses, c'est un parcours assez atypique. Je pense, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, présenter ton parcours et ce qui t'a amené au trading. Alors, mon parcours, je trade maintenant depuis à peu près... j'ai commencé à 22 sérieusement depuis 18 ans, hein, j'ai là 40 ans. J'ai commencé par le MONEP, les actions, j'ai fait à peu près tout ce qui pouvait exister. Je suis passé sur les varans, les turbos, toutes les arnaques aussi, les effets de levier maximum et tout. Et maintenant, après un passage de près de 9 ans sur Futur, maintenant je trade essentiellement à 90% les CFD. Voilà, en gros. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire? Je suis passionné par la bourse depuis l'âge de 14 ans. À l'époque, j'allais chez mon grand-père récupérer le journal une fois par semaine, je relevais les cours des actions. Et donc, je pense que pour être un trader, il faut absolument être passionné. Sinon, c'est pas jouable dans le temps. Au niveau de la tension, on ne tiendra pas du tout. Et il faut continuellement se remettre en cause. C'est vraiment pour ça qu'il faut être passionné. Ça veut dire que tu peux passer... Il ne faut pas hésiter à changer, par exemple, d'instrument. Hein, j'ai tradé pendant de nombreuses années sur des turbos. Je suis passé au futur. Là maintenant, les futurs, ça marche moins bien pour le scalping, pour différentes raisons, notamment sur le FCE. Donc je me suis réadapté, je suis tourné sur les CFD avec un point de spread garanti qui permet de faire un scalping efficace. Et peut-être que dans 2 ans, je retournerai sur les options, je repartirai sur un nouveau produit financier qui vient de sortir. Donc c'est aussi ça qui est super chouette dans ce métier, c'est que j'ai 40 ans, j'espère trader encore 20, 30 ou 40 ans si c'est possible. Et je sais que de toute façon, dans ce laps de temps, je ne traderai pas du tout pareil, je traderai des instruments totalement différents. Et on change en fait, c'est s'adapter perpétuellement. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et si tu n'es pas passionné, tu vas faire 1 an de trading, 2 ans de trading, et puis tu vas pas réussir à t'adapter,
c'est une recherche perpétuelle. Je crois que c'est vraiment ça. Ce que j'essaie de faire comprendre sur mon blog, c'est qu'il n'y a pas de méthode absolue où on l'applique de A à Z et on va gagner de l'argent. Ça, ça ne marche pas du tout, ça ne marchera jamais. C'est qu'il y a une méthode par personne, en fonction de son propre patrimoine, en fonction de sa psychologie propre, de son appétence au risque, etc. Et que, bah, on évolue. Je ne trade plus du tout comme je tradais quand j'avais 22 ans ou que j'ai où je cherchais à faire le, je cherchais à gagner mon million d'euros, enfin c'était les francs à l'époque, mon million de francs en 10 coups, j'étais là en me disant je vais faire une fois 100%, une fois 100%, et avec mes 10 000 francs je fais 20, 40, 80, 160 et j'arrive au million. Le trading comme ça avec des effets de levier pas possibles et tout, bah, je me suis assagi, je me suis, et peut-être que dans 20 ans je traderai de manière totalement différente aussi. Donc c'est vraiment une adaptation perpétuelle, je pense que, et ça si t'es pas passionné, tu tiens pas. Ok. Alors justement, en France, la communauté des traders, elle n'est pas énorme, mais il y a quand même beaucoup de gens. Alors notamment maintenant avec la démocratisation de l'information, on a beaucoup de gens qui donnent leur avis, qui expriment leur parcours, etc. Je pense que ce sur quoi il faut insister dans ton cas, c'est que désormais, tu es un trader gagnant. C'est quand même un des gros challenges et une des grosses problématiques, puisque le but du trading, c'est quand même de faire de l'argent. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de gens qui nous regardent, c'est ce qui va les intéresser. Donc d'après toi, qu'est-ce qui t'a amené à réussir justement à gagner de l'argent régulièrement? Et aujourd'hui, on peut le dire, tu pourrais vivre uniquement ton trading, même si tu as d'autres activités, là c'est annexe, on n'en parlera pas forcément, ou sauf si tu souhaites l'aborder, mais aujourd'hui, tu pourrais être un trader indépendant, totalement libre, et gagner tous les mois un revenu tout à fait confortable. Et à ton avis, bah, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Quelles sont les qualités? Est-ce que c'est beaucoup de stratégie? Est-ce que c'est beaucoup de psychologie? On s'en doute, mais voilà, je te laisse parler de ça. Ouais, alors, donc je trade, comme je vous le dis, intensivement depuis 17 ans. Et là, maintenant, je suis un trader gagnant depuis 4 ans, hein, où je pourrais en vivre totalement sans aucun problème, à savoir mes bénéfices trimestriels ou mes plus-values trimestrielles ou annuelles, une fois les impôts payés, enfin, on en a parlé un petit peu, donc tu divises par deux, voire même un petit peu plus parfois, ça me fera un salaire plus que, un revenu plus que confortable pour avoir une petite vie bourgeoise, etc. Donc après, ça va dépendre aussi des personnes. Il y a des gens qui, avec 2000 euros, peuvent vivre très bien, il y en a d'autres, il leur en faut 5000. Donc il faut aussi voir après ce que tu as réellement besoin pour toi pour vivre. La seule chose qui est intéressante dans le trading, c'est que c'est la liberté absolue. Je crois qu'il faut vraiment insister ça. C'est certainement ce qu'on recherche au-delà de la liberté financière, c'est de pas, c'est pas de s'emmerder quoi. Avec un patron, avec une hiérarchie, avec faut se lever le matin à 8h et tout ça. Quand vraiment on est dans le trading, y a des fois on peut se dire je vais prendre 2 jours de break parce que soit j'ai bien gagné mon argent en début de semaine, je peux faire un break pour aller voyager, ou au contraire j'ai perdu de l'argent, il faut que je fasse un break pour pas faire une boulette quoi. Donc qu'est-ce qui a fait que pourquoi j'ai perdu de l'argent à peu près pendant 10-12 ans et que maintenant j'en gagne très régulièrement? C'est une prise de conscience. Alors cette prise de conscience, c'est pas Dieu qui m'a parlé ou un truc comme ça, c'est que j'en ai réellement eu marre de perdre, et je me suis dit il faut que je revoie tout à zéro. Donc j'ai arrêté le trading totalement pendant 6 mois, et pendant 6 mois j'ai repris tous les trades que j'avais fait avec les relevés des brokers et tout, et j'ai tout analysé, et je me suis rendu compte pour la petite histoire, entre 2004 et 2006 j'étais un trader très très intense, je faisais en valeur sur le FCE CAC 40, j'avais tradé quasiment 2 milliards d'euros. Mm-hmm. Je faisais 25 000 lots dans l'année, je tradais 100, 150 lots par jour très facilement, et en plus je faisais du Nasdaq, du NQ100, je faisais du Dow Jones, je faisais du Nikkei 225, donc j'avais des journées où je tradais 18-19 heures par jour. C'était un peu la folie, et donc j'ai réanalysé tout ça. Et j'ai fait des découvertes. Par exemple, si tu m'avais demandé où est-ce que tu gagnes de l'argent, je t'aurais dit sur le Nasdaq.
J'ai tradé le Nasdaq pendant 5-6 ans, j'étais persuadé d'être largement gagnant sur le Nasdaq. Le Nasdaq, non, je ne gagnais pas d'argent, j'étais perdant sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones, je t'aurais dit, ouais, je suis un peu flat sur Dow Jones, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans le trading intense, enfin là je scalpais, je faisais des volumes incroyables, t'as quasiment plus aucun recul, tu es vraiment dans le truc. Donc j'ai pris 6 mois de break total. Ces 6 mois ont été créés suite à une mauvaise journée où j'ai perdu 25 000 euros en une après-midi, 13h30. J'avais une petite perte de 300 ou 400 euros et on a fini 6 heures plus tard avec moins 25 000 euros, qui était à l'époque une belle partie de mon patrimoine en bourse. Hein, j'ai dû perdre 35-40% en une journée. Crise de larmes, on appelle des copains pour dire viens me chercher, celui-là je vais faire une connerie, je suis le plus nul du monde. À l'époque, je travaillais, donc ça représentait quasiment 10 ans d'argent que j'aurais pu mettre de côté, de fruits, de labeur. J'avais arrêté mon job pour trader intensivement. Bon, et là je m'étais dit il va falloir retourner travailler, l'enfer du quotidien avec une hiérarchie et compagnie. Donc ça allait pas bien du tout. J'ai bloqué 6 mois et j'ai réanalysé tous mes trades. Et j'ai vu qu'il y a certains instruments que je devais abandonner. Je pensais que j'étais pas mal. Et j'ai arrêté de trader le Nasdaq parce que c'est là où je faisais mes pertes. Je me suis concentré sur le CAC 40 et le DAX. Et je me suis pris 3-4 années de graphiques. Et j'ai regardé les graphiques tous les jours en essayant de trouver des probabilités à fort taux de réussite. Chose que je faisais pas avant. Avant, je tradais, je dirais maintenant, n'importe comment. Je tradais plus à l'impulsion, je voulais rentrer dans les marchés coûte que coûte. Donc je m'ennuyais par exemple, on a un petit peu parlé, tu t'ennuies, t'es là, tu regardes, tu vois, tu vois le carnet d'ordre qui s'excite sur le futur, t'es en train de voir des gars qui balancent sans lot, tu dis c'est pas vrai, ce mec là il vient de se gagner 30 000 euros et moi je suis là comme un con, j'ai pas fait un centime. Et au bout d'un moment tu fais un trade impulsif, parce que t'as envie d'y être. C'est comme un jeu, tu as envie d'être physiquement dans le marché, de dire bah moi aussi je participe au truc, et là tu te prends deux ou trois lots, et puis tu es rentré n'importe comment. Tu es incapable d'expliquer une heure après pourquoi tu es rentré à ce moment-là. Tu es rentré à ce moment-là parce que tu avais ce besoin, parce que c'était une impulsion, comme un drogué qui prend son shoot. Et donc, et c'est ces trades-là qui te fichaient tes résultats en l'air, que les trades que tu te traînais toute la journée, que tu te traînais deux, trois jours, une semaine, que tu te mettais à ramer pendant des mois des fois avec la moins-value que tu t'es faite sur un trade totalement impulsif. Et donc le gros boulot ça a été de me dire bah, il faut que j'arrête ces trades impulsifs, ces trades à la con qui me flinguent complètement mon portefeuille. Ok. Alors là si on rentre un peu plus dans le technique, donc tu dis que tu es passé par beaucoup de produits différents, tu dis que tu as beaucoup scalpé, tu as toujours été attiré, souvent on parle très court terme, le scalping, ou tu as déjà été sur des unités de temps plus longues, et de manière un peu plus poussée, au niveau de ton approche, qu'est-ce que tu vas regarder? On sait que maintenant sur les marchés il y a énormément de choses, des outils, des indicateurs, des choses qui sont proposées. Toi qu'est-ce que tu utilises dans ton training au quotidien pour prendre des positions? Alors au niveau des positions, je faisais du scalping parce que c'était une gestion de ma tension, si tu veux. Le scalping, tu rentres, tu sors, quelques secondes après, éventuellement une ou deux minutes après, tu as tout de suite ton résultat. Et dès que j'étais positionné sur les marchés, je sentais de l'adrénaline, de la tension extrêmement forte. Et je ne pouvais pas conserver une position swing par exemple. J'achetais le lundi, si jamais je conservais une position swing deux jours, je ne dormais pas. Le lundi, la nuit lundi, j'étais super mal. J'imaginais que si j'étais à l'achat, qu'il allait se passer quelque chose. Et si le marché dévie, si j'ai un open gap à moins 5%, je suis en levier 3, je suis à moins 15, etc. Donc je n'arrivais pas à être serein du tout, ça m'épuisait. Donc je me suis concentré sur du scalping. C'était par rapport à ma psychologie de l'époque la manière la plus efficace pour pouvoir gérer mes émotions et ma tension. Donc c'était des petits allers-retours extrêmement rapides. Ce que j'appelle du one shot, une sorte de tir au fusil à lunettes comme un sniper. Toi. Tu tires un coup, tu rentres assez chargé en lot et tu prends ton gain très rapidement, tu sors, ça y est, c'est fini. Tu sais que tu as gagné temps, que tu as perdu temps, tu respires, tu peux te reconcentrer vraiment comme un sniper pour le prochain tir. Et j'ai complètement oublié ce que tu me disais après. Eh bien, donc ça c'était pour le premier aspect par rapport au scalping. Et donc le second c'est ce que tu utilises, donc on a bien compris la
ta méthode d'entrée et la psychologie qu'il y a derrière, les avantages que ça a justement de trader à court terme. Je suppose que si par contre un des inconvénients, c'est qu'il faut être beaucoup plus exigeant sur tout ce qui est exécution et aussi taille des commissions, puisque là du coup, vu que tu as cherché quelques points, ça te fait tout. Oui. Ça te fait tout. Ouais. Bah ça, évidemment, sur du scalping, ce qui va tout te faire. Comme tu vas chercher quelques points, et moi en plus je suis un scalper, j'allais dire, je vais vraiment chercher très très peu de points. Dès que j'ai quasiment un gain, je suis déjà sur le point de vendre, parce que le nombre de fois où j'ai gagné par exemple 4-5 points que j'ai pas revendu, et que quand j'étais pas dans le scalping, je me suis retrouvé à moins 15 points, je l'ai vécu une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Donc maintenant je suis vraiment un scalper extrêmement rapide, c'est-à-dire que dès que j'ai 2-3 points de gain, je regarde si ça semble hésiter par rapport à ce que je pense, un rebond par exemple sur un point pivot, si ça hésite un petit peu, je prends mes 3 gains, c'est bon. Je prends mes 3 points, c'est bon, on n'en parle plus, c'est fait. D'accord ? Et ça, effectivement, c'est le broker absolument essentiel. Hein, où il y a, on va pas faire de pub, il y a, vous pouvez. Si tu veux en citer, il n'y a pas de problème. Bah, par exemple, non, je ne vais pas en citer, parce que ça va encore recevoir des emails des brokers, donc ça va. Donc, bon, ça va, là, j'ai reçu un recommandé qui fait de réception cette semaine, on va passer à autre chose. Donc. Pour le scalping, ce qui compte, c'est la rapidité d'exécution, la fiabilité du broker. Il faut vraiment avoir confiance en lui. Donc, pour avoir confiance dans un broker, bah, c'est extrêmement simple. Il faut vous demander ses comptes. Tout simplement. Vous avez des brokers, vous leur demandez leurs comptes. Ils sont obligés de vous les donner, ils ne vous les donnent pas. Bah, moi, je ne mets pas l'argent chez quelqu'un qui ne veut pas me donner ses comptes. Vous avez de grandes surprises hein, chez les brokers. Quand vous demandez les comptes, vous voyez que certains brokers ne gagnent pas d'argent ou en perdent. Donc, comme moi, j'ai 100% de mon capital qui est liquide. J'ai pas d'investissement immobilier et tout mon patrimoine est chez mes brokers, donc je répartis les risques. Hein. Je choisis des brokers les plus fiables, les plus capitalisés, qui sont cotés en bourse, qui sont surveillés, etc. Et le spread est extrêmement important. Donc sur le DAX par exemple, je fais des CFD, on peut avoir un spread de 1 qui peut monter à 2, 3, etc. Donc le spread, on peut trouver l'équilibre entre le spread le plus réduit et un broker fiable. Il ne faut vraiment pas oublier ça. Et si vous disposez d'assez de capital, si vous avez plus de 100 000 euros par exemple, si votre broker fait faillite, qu'il est assuré en France, AMF, Banque de France, etc., on ne vous donnera pas plus de 100 000 euros maximum. Donc si vous avez 300 000 euros, bah, ouvrez 3 comptes. Trois comptes éventuellement chez trois brokers différents, ça vous protège. Donc les failles des brokers, c'est pas de la science-fiction non plus quoi. L'année dernière on a eu trois gros brokers futurs américains qui ont fait faillite hein. Donc ça arrive, et ce jour-là bah c'est un peu tard pour se dire mince, est-ce que mon broker était fiable, et mince, est-ce que ses comptes étaient clairs, etc. Donc vraiment pour le scalping, c'est jouer absolument le spread le plus réduit possible. Mais vous avez certains brokers qui vont vous annoncer des spreads très réduits. On a des spreads à 0,8 par exemple. Mais ces spreads à 0,8, ils ne sont pas... ils tiennent... Sur le CAC, là, tu parles. Oui, sur le CAC, ouais. Ou sur le DAX. Moi, je traite les indices, donc je D'accord, parle essentiellement ouais. du CAC et du DAX. Ouais. Un petit peu, je fais un petit peu les indices US le soir en regardant la télé, donc c'est pas très... c'est pour m'occuper, hein. Je regarde l'amour est dans le pré, je prends un peu du Dow Jones. Hein. Bah oui, non mais ça te fait rire, mais si tu veux, la bourse, c'est aussi ça, quoi. Je veux dire, ça doit être aussi un peu... c'est aussi un peu du plaisir, quoi. T'es là, et puis ça paraît rien, même si je trade à 95% le CAC 40 et le DAX. Le fait de surveiller jusqu'à 22h, 22h15 l'évolution du Dow Jones, ça te donne quand même des indications pour le lendemain, pour ton open sur le CAC, sur la dynamique des marchés, etc. Si tu vois que le marché dans la dernière demi-heure s'envole et qu'il explose deux ou trois niveaux sur le Dow Jones, tu dis bon, derrière les gars ils appuient, donc à l'ouverture on est beaucoup plus optimiste qu'on pouvait le croire. Donc ça donne toute atteinte d'infos, même si tu n'interviens pas en fait. C'est pour ça que j'essaye de suivre la bourse de 8h, 9h. J'essaie d'être raisonnable. Hein. Je ne fais plus trop les ouvertures futures. Donc de 9h de toute façon jusqu'à 22h, jusqu'à 22h15. Quoi. Je n'irai jamais me coucher avant 22h15, ça c'est sûr. J'ai encore oublié ce que tu me disais. Ok, alors juste avant, par contre, quand tu parles, est-ce que... Non, c'est ballon, au contraire. Non, pour nous, c'est super intéressant, et je pense pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment ça l'intérêt d'interviewer les traders. Ça, on en a parlé, mais c'est surtout en fait les indicateurs. En fait, ouais. Je dis les indicateurs de manière plus générale, quel outil toi tu utilises, qu'est-ce qui est important
quels vont être les critères d'entrée par rapport à ça. Juste, est-ce que tu peux parler plus près du micro si c'est possible? Sans problème. Pour toi, je ferai plein de choses, tu sais. Allez. Ah bah ça, et tu vas pas le couper au montage, hein? Non, y a rien, c'est one shot. C'est one shot? Ah merde alors. Ouais. Bon allez, on s'en fait un. Non. Bon, je pensais avoir du succès, mais bon, c'est pas grave. Bon, tu peux rentrer maintenant, c'est bon. Donc ouais, par rapport à ta stratégie. Ouais, ouais, les entrées. Alors en fait, ce qui se passait, c'était quand je perdais de l'argent, j'avais des indicateurs partout. Ça ressemblait à une station, à un Airbus, mon truc. J'avais 5-6 indicateurs. J'avais mon RSI, j'avais mon MACT, j'avais Bidule, j'avais Darva, j'avais des touches. J'avais à peine trop ce que c'était à la limite. J'avais du Bollinger partout. J'en avais partout, c'était recouvert. Et plus je me suis amélioré dans mon trading, et plus je les ai retirés. Et en fait, il y avait un vieux trader qui m'avait dit ça. Il m'a dit, le jour où tu arriveras à trader quasiment juste sur le price, le prix, avec très peu d'indicateurs, c'est que tu commenceras à devenir bon. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, avoir plein d'indicateurs, déjà grosso modo, ils nous disent exactement la même chose. C'est juste une interprétation mathématique un peu différente. Enfin, grosso modo, si le Dow Jones dévisse de 200 points, tu n'as pas besoin de regarder tes indicateurs. Tu sais que ton RSI va être tout bas, tu sais que ton MACD va être tout bas, tu sais que tout va être extrêmement bas. C'est juste des réinterprétations de la même chose. En fait, ça te décrit d'une autre manière la réalité que tu vis si tu regardes le prix. Donc, j'ai petit à petit épuré, j'ai retiré des indicateurs. Et maintenant, je trade uniquement avec des points pivots. Alors, c'est vraiment extrêmement simple. Pour du scalping, je suis en UT1 avec confirmation en UT5 sur les points pivots journaliers. Et je joue, donc là, comme on est dans un trend depuis 2012, on est dans un trend haussier, je joue 80-95% les rebonds sur les supports. Donc par exemple, tu as un support, on va dire, à 3614 sur le CAC 40, c'est le support S1. Donc on est sur le PP, on commence à descendre, on repère le support 3614, je le mets juste en dessous. Donc 3614, je vais me passer mon ordre d'achat à 3610 pour jouer la réintégration à 3610-3614. D'accord. Et là, ça te fait 4 points. Alors, ça te paraît pas grand-chose, mais tu peux te faire comme ça, 4 points, 5 points, 6 points. Après, tu multiplies par ton nombre de lots, ça te fait des journées très sympas. Donc c'est du scalping où tu attends en fait énormément. Et moi, je joue les réintégrations de support. Voilà. En basant sur quel... parce que le point pivot, du coup, est basé... Alors, non, en fait, parce que moi j'ai l'habitude du forex, mais là il n'y a pas la notion d'heure, puisqu'en fait c'est un marché centralisé et régulé. Exactement. À des précises, donc en fait c'est simplement, tu te bases sur le futur ou sur uniquement le cash Alors je me base uniquement sur le cash. D'accord. Parce que même si je trade du futur ou du CFD, même quand je tradais les futurs, je me basais sur le cash. D'accord. J'y mettais les graphiques du cash. Ah oui? Absolument, les graphiques du cash. Parce que les futurs, les CFD ne sont que la réinterprétation du cash. Mmh. Et parfois, ils commettent, par exemple, sur futur, si on est sur une période haussière, le CAC va monter jusqu'à 3640, par exemple. Et l'équivalent de ton futur, bon, c'est un peu plus compliqué si le futur ne cotera pas 3640, mais un petit peu plus, il va prendre un ou deux points, par exemple, supplémentaires. Donc, je préfère vraiment utiliser les points pivots que je pense qu'utilisent les robots, c'est-à-dire le cash. Donc je regarde uniquement ça. Donc pour du scalping, je suis sur du point pivot journalier. Pour faire mon day trading, alors j'en fais très peu, mais ça marche bien, j'utilise les points pivots hebdomadaires. Et pour faire mes opérations de swing, je fais des points pivots mensuels. Voilà, et bon... si tu veux un truc à très forte probabilité, alors faut être capitalisé, tu te mets un point pivot mensuel, t'attends que dans l'année on touche S3, cassure de S3, t'achètes comme un gros bourrin, tu fermes les yeux, tu reviens une semaine, deux semaines, trois semaines, six semaines après, six mois après, tu t'es fait tes 20%, sans grande difficulté, 10-20%. S3 mensuel, on a un taux de probabilité de 85 à 90%. Ouais. Voilà. Et de toute façon, tu auras une réintégration au bout d'un certain temps. C'est un peu ce que fait Warren Buffett. Hein. Il attend que ça baisse énormément. Il se met à acheter comme un gros porc des milliards. Puis il attend. Il attend. Et je me rappelle que Buffett avait acheté, quand on était en plein sorte de crack en 2011, il avait acheté le CAC. Il s'était commencé à rentrer sur les marchés quand le CAC était à 3002. Le CAC est descendu à 2007-2008. Bon, bah, maintenant, il est monté à 4000. Warren Buffett a acheté, il a attendu, il a revendu, il s'est fait ses 20%.
Voilà. Donc nous, on ne peut pas vraiment le faire parce qu'on n'est pas assez capitalisé. Et puis peut-être par rapport à Buffett, c'est que moi, je ne peux pas, je sais pas, j'ai son argent, mais je ne peux pas acheter et attendre 6 mois. Parce que pour moi, c'est un plaisir. Donc j'ai besoin d'être tous les jours sur les marchés. C'est pour ça que je scalpe aussi. Le fait que je fasse du scalping, ça me permet d'attendre aussi, d'avoir une belle position de swing trading. C'est en attendant aussi. C'est toute une technique en fait pour essayer de gérer mon impulsivité. Le scalping, je prends ma petite dose en fait. Je me prends mon petit shoot de cannabis et puis j'attends ma grosse dose d'héroïne avec du swing quoi. Ça te fait rire, t'in, c'est bizarre. Ok. Alors là, tu nous as parlé donc de ton plan d'entrée, très intéressant, assez précis, assez simple d'ailleurs. Et tu nous as dit au départ qu'avant tu étais dans du compliqué et que finalement tu es revenu à du simple. Au niveau de la gestion de la perte, comment ça se passe et au-delà de ça, juste une précision par rapport à ton plan d'entrée. Donc tu dis, ok, on est dans une impulsion baissière sur la journée, on va chercher le S1 par exemple. Est-ce que tu attends que le ou S2 ou S3 est-ce que tu attends qu'on ait un ralentissement des cours? Est-ce que tu chopes vraiment le prix, peu importe la force de l'impulsion en cours? Et au-delà de ça, je développe ma question, c'est si le mouvement continue et donc que tu as tort, à quel moment tu prends ta perte? Voilà. Alors, en fait, c'est une stratégie où je suis assez capitalisé, donc je peux prendre pas mal de lots. Donc, je vais prendre beaucoup plus de lots sur du S3. Parce que statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que ça rebondisse. S3 va marquer en hebdo souvent la limite maximum de la chute. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas descendre plus bas. Mais au moins, pendant un certain temps, ça va stagner, ça va tenter un rebond. Et le scalper, en fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Le scalper, que le marché monte ou descende, il s'en fout. Il n'est pas dans la macroéconomie. Le scalper, il ne sait pas si demain on va créer 1 million d'emplois ou si on va en perdre 1 million d'emplois. Il attend une configuration graphique où il a un fort taux de probabilité. D'accord ? Donc quand on est sur du S3, que l'on casse pour la première fois du S3, j'achète en dessous et il y a 95-98% de chances qu'on revient, mais ne serait-ce même que 3 secondes, sur S3, quitte après à se reprendre de 30 points dans la gueule. C'est pas grave. Je me suis fait mes 3 points. Ils y sont. Ils sont rentrés. D'accord. Après, tu as des périodes pour scalper qui sont assez sympas. C'est justement sur du S3. Ou parfois, quand on est là en ce moment, on est sur des optiques assez haussières, on stagne sur du R1. Et là, on voit le cours qui stagne. Il descend sur S3, il remonte légèrement, il redescend, il remonte légèrement. Donc là, je me chope 2 fois maximum ou 3 fois les petits retours, les petites cassures de S3. On se rend compte quand ça commence à devenir un support et que la bourse ne sait pas, est-ce qu'on va encore descendre un peu plus bas et tout. Alors tu me dis, mais comment tu sais si tu prends? Alors déjà, tu l'as dit toi-même, il y a la force, il y a la pente, si j'ose dire. Si tu es en UT1 et que tu as une bougie rouge qui descend à toute vitesse, là, à la limite, ton S1, tu ne tentes même pas. D'accord, il faut avoir cette notion de rapidité. Si par contre, pour toucher ton S1, tu vas te mettre 7 ou 8 bougies, ça descend lentement, une sorte d'asphyxie lente pour aller toucher ton S1, là c'est bon. Là tu peux te positionner sur S1. Mais si c'est un couteau qui tombe, c'est le fameux adage boursier, on ramasse pas un couteau qui tombe. Non, j'ai essayé, tiens, tu vois, j'ai été coupé là, ça marche pas. D'accord. Donc voilà. Et c'est pour ça que des fois sur mon blog, on pose plein de questions, et pourquoi si, pourquoi t'as fait ça. Globalement, c'est ça. Je scalpe sur les points pivots, mais il y a des fois, je vais pas prendre. Alors on me dit, pourquoi? Il y a aussi la sensation, il y a l'expérience, il y a si ça va trop vite, il y a si, par exemple, quand on s'est vu au live trading show, où tu as filmé d'excellentes vidéos d'ailleurs en direct, que je vous encourage d'aller voir sur YouTube ou sur le fameux site Vidéo Bourse, qui est vraiment top. Et merci pour ces vidéos, parce que sans toi, l'événement serait complètement passé inaperçu. On s'était fait moins 7 sur le Japon. On a tradé en direct le jeudi après-midi et dans la nuit de mercredi à jeudi, on a fait moins 7 sur le Japon. Voilà, dans ces cas-là, quand c'est moins 7 sur le Japon, il y a eu une sorte de mouvement de panique un peu sur le Japon. On n'était pas du tout serein, nous pour trader. Hein. Dans ces cas-là, les S1 t'oublient un petit peu parce qu'on ne sait pas comment le marché va réagir. Hein. On aurait pu finir à moins 7 aussi sur le DAX. Je crois qu'on a fini flat. On se battait sur les 8300. À cette époque-là, j'avais passé justement là quelques scalps sur les 8003. Eh ben, on voit que c'est du direct. Hein. C'est pas poli. Oui, maintenant, je sais. Oui, donc c'est pas systématique.
D'accord? Si vraiment j'achetais systématiquement sur les points pivots, je me ferais un petit robot de trading automatique. Mais ça ne marche pas. Faut toujours sentir le marché. D'accord? Tu vois, tu scales pas pareil aussi en fonction des heures. Tu vas pas faire le même scalping à 10 heures qu'à midi ou qu'à 15 heures quand il y a les États-Unis. Si tu veux, le marché européen va se positionner grosso modo, il va se chercher entre 9h, 11h30, midi. Donc là, ça bouge pas mal, c'est assez sympa pour scalping. Entre midi et 13h30, 14h, tout le monde est parti bouffer, ça, il y a quasiment plus de volatilité. D'accord? Donc ça, c'est sympa pour des réintégrations de support, par exemple. Si on est légèrement en dessous, qui commence à être à midi, midi 30 et qu'on est à 4-5 points d'un support, on a tendance à remonter légèrement pour choper le support. Ça, alors tu vas me dire pourquoi, comme ça? Bah ouais, bah c'est comme ça, c'est l'expérience, c'est un truc qui marche à 80-90%. Et j'essaie constamment de bosser sur des systèmes que je repère où ça fonctionne à 80-85-90%. Alors, quand prendre sa perte? Alors, moi j'insiste, j'ai un money management extrêmement simple. Je crois que vraiment, là aussi dans le trading, c'est la simplification. Je m'autorise une perte maximum par jour. Depuis que j'ai perdu mes 25 000 euros en une journée, j'ai réfléchi et je m'autorise une perte maximum par jour. C'est-à-dire que si, donc je ne vais pas vous dire le chiffre parce qu'après vous allez pouvoir voir à peu près combien, c'est un pourcentage de mon capital. C'est la perte que je m'autorise, c'est ce que je peux récupérer en 2 jours en moyenne de bénéfices, mes bénéfices moyens. Donc le lundi je perds, j'ai ma perte maximum. Mais si je trade à 9h01 et que j'ai ma perte à 9h03, j'arrête, c'est terminé. Je sais comme ça, au maximum, imaginons que j'enchaîne un mois complet de trading en perte, ça fait 21 à 22 jours de trading, bah, je sais au maximum combien je peux perdre d'argent sur un mois. Et si je perds cet argent, je suis toujours là, il n'y a pas de problème, je suis toujours un trader vivant. En fait, je fonctionne sur ce système-là. D'autant plus que quand tu commences à perdre de l'argent, tu vas vouloir te rattraper. Voilà. Et donc ta petite perte de 500 euros, bah, moi j'ai connu moins 25 000. Voilà. Donc je me serais arrêté à 500 euros de perte. J'aurais fini en plus ma journée à 13h30 à l'époque. J'aurais pu aller me balader au parc. J'aurais pu re recharger mes batteries. Et le lendemain, je les aurais récupérées en une journée ou en 48 heures très facilement. Donc voilà, ce money management, c'est une perte maximum. Donc si je me plante, bah, sur mon premier trade et que j'arrive à ma perte maximum, je clôture, j'arrête mon trading, je vais faire un tour, si je serais quand même un peu énervé, je ferai un tour et puis je reprendrai le lendemain. Et ça a un énorme avantage aussi, c'est que ça te permet de recharger tes batteries. Parce que quand tu trades tous les jours, tous les jours, tous les jours, du scalping, même du day trading, ça devient épuisant. Épuisement nerveusement. Et c'est pas, tu peux faire une excellente semaine, tu gagnes tous les jours, tu vas arriver le vendredi soir si tu as fait ça effectivement à fond intensivement, mais tu vas être laminé quoi. On peut même, on te ramasse à la petite cuillère. Alors c'est peut-être parce que j'ai 40 ans maintenant. Toi, à 25-26 ans, j'ai peut-être beaucoup plus d'énergie, mais je crois qu'il y a aussi ce patrimoine énergétique, de tension à essayer de préserver. Donc mon money management, c'est ça. J'ai une perte maximum par jour, je l'atteins, j'arrête. Et ce chiffre est basé sur ce que j'arrive à gagner en moyenne sur 2 jours. Donc, je perds un lundi. Je sais que, non, en théorie, si tout va bien, mardi, mercredi, je récupère ma somme. Donc, tu vas me dire, bah, t'as pas gagné d'argent pendant 3 jours. Et alors? Et alors? L'important en bourse, c'est pas de perdre d'argent. En gagnant, on arrive toujours à en gagner. Le plus difficile, c'est réduire au maximum ses pertes. Et donc avec ce système-là, ça me permet de rester en bonne santé, de ne pas m'énerver, de ne pas faire encore des trades en disant « Mais c'est pas vrai, j'ai perdu 500 000, 1500 euros, allez, je vais me rattraper, je suis sûr de moi. » Et là, généralement, on augmente son nombre de positions. On tradait à 2 lots, on va se mettre d'un seul coup à balancer 6 lots, en disant « Allez, c'est pas grave, je balance 6 lots, en 10 points, je récupère ma perte, et puis tu vas te faire moins 20 points, et tes 6 lots, tu vas les sentir assez difficilement. » Donc voilà, ça a vraiment révolutionné mon training. Je sais au début de chaque mois combien je vais perdre au maximum. Alors, sous réserve que je perds 22 jours d'affilée et tout ça, bon, ça m'est pas arrivé. Hein. Donc, je croise les doigts. Mais même si je perds 22 jours d'affilée, hein, ça fait à peu près un mois boursier, bah, je suis toujours là, tout va bien et mon capital est préservé, quoi. Ok, très bien. Alors là, ce qu'on voit derrière toi, c'est la plateforme de trading. Enfin, c'est ton unité principale de travail, que ce soit, je suppose, pour ton entreprise ou pour le trading. Est-ce que tu veux nous montrer un peu comment tu organises ta plateforme? Je sais pas, quelles unités de temps tu regardes, quel marché tu affiches, comment? Alors, c'est là où on voit que c'est du direct et qu'on est un peu emmerdé parce que on est le samedi là.
Et mon broker, il n'y a pas de. Okay. Bah, mais je peux montrer un peu le, la station de trading. Alors oui, bon, peut-être pour qu'on comprenne, j'ai une, donc je trade et j'ai une société de référencement sur Internet. Mm-hmm. Donc là, on fera le tour. Là en tout, j'ai 7 écrans. Vous n'avez pas besoin de 7 écrans pour trader. Hein. C'est, je trade avec 3 écrans. En fait, j'ai un écran pour passer mes ordres. J'ai 2 écrans où je regarde mes graphiques, mes UT. J'ai mon 4e écran, c'est juste pour gérer mes emails. Et j'ai 3 écrans pour mon boulot, pour ma boîte. Et le fait, alors ouais, ça c'est un truc qu'on a un petit peu parlé, le fait que je gère une boîte de référencement à côté, ça me permet d'être, je pense, meilleur dans le trading. Tout simplement, alors on va dire, mais il fait deux choses à la fois, mais oui, justement. Parce que moi, ma grosse... bon, je vais te raconter un peu là. Mon gros problème, c'est que j'ai besoin de ma dose. Et j'avais des mauvais résultats avant de lancer ma boîte, très moyen en début 2010. Parce que des fois, j'avais pas mes fameux points pivot, mes résistances, mes supports pour acheter. Et je passais 2 heures, 3 heures, 4 heures devant mon écran, il se passait rien. Et là, c'est très long. Et là, de temps en temps, tu dis, putain, ça fait 4 heures, j'ai pas fait 1 euro. J'aurais été me faire chier au McDo, j'aurais gagné au moins 40 euros. Je vais prendre un petit lot quand même. Je vais faire un petit truc quand même. Il est à midi, je me suis levé à 8 heures, j'ai rien gagné. Et là, généralement, je me tapais un truc négatif, une moins-value, je commençais à m'énerver, etc. etc. Et donc, j'avais bien identifié, je crois qu'il faut identifier ses faiblesses quand tu es trader, que moi, bah, je ne peux pas passer 12 heures à attendre devant mon écran qu'il se passe une chose. J'ai besoin d'être occupé. Donc, je me suis mis à lire. Bon, ça n'a pas marché, ça m'a un peu gonflé au bout d'un moment. Je tradais avec mes 3 écrans et sur 4e écran, je jouais à World of Warcraft. J'étais là avec mon sorcier, je balançais, c'était pas sorcier, c'était là. C'était un paladin, bon, je jouais à World of Warcraft en attendant qu'il se passait quelque chose, ouais. Tu vois. Et au bout d'un moment, je suis un peu vieux, j'en ai un peu marre de jouer aux jeux vidéo, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, quoi, parce que sinon, je vais prendre des trades impulsifs et je vais pas gagner d'argent. Et donc, j'ai créé une boîte de référencement qui marche bien et ça m'occupe, en fait. Et les deux sont vraiment ouais, un complémentaire, une sorte d'équilibre. Une sorte d'équilibre. Ça me permet, par exemple, bah, le matin, il ne se passe rien. Donc, je suis constamment en train de... Je travaille, je suis constamment de zioter le cours du DAX, du CAC 40 et tout. Bon, bah, je ziote, il ne se passe rien. Bah, je réponds en email, je ziote, il ne se passe rien. J'appelle un client, je fais un boulot pour un site, etc. quoi. Donc, ça me permet finalement d'être toujours disponible pour la bourse sans avoir l'optique de se mettre à craquer. Voilà. Et puis, ça rapporte plus d'argent de faire une boîte que de jouer à World of Warcraft. Ça, c'est aussi sympa. Ok, très bien. Alors, par rapport au marché, donc tu dis que tu te concentres sur le CAC et le DAX. Tu dis que quand tu as fait tes statistiques, tu vois que tu étais plutôt perdant sur le Nasdaq, je crois. Non, Nasdaq, non. Oui, ouais, le Nasdaq. Par contre, le Dow Jones, tu étais plutôt positif. Ouais, ouais, ouais. Au final, tu te concentres sur les indices, tu n'es pas spécifiquement sur les actions. Par contre, tu es passé par d'autres produits, etc. Qu'est-ce qui est déterminant d'après toi dans le choix de ces produits? Qu'est-ce qui te fait évoluer? Voilà, bah, en gros, qu'est-ce qui définit les produits que tu trades au jour le jour? Alors, je pense que quand on commence dans le trading, et c'est ce que font, enfin, c'est ce que je vois les gens qui passent sur mon forum qui posent des questions, ils veulent trader le DAX, le CAC 40, le Forex, faire un peu d'or, du pétrole et tout ça, et puis éventuellement 5 ou 6 actions, ils se perdent dans beaucoup de choses. Moi, je pense, hein, en tout cas, c'est pour moi, ça fonctionnait comme ça, que pour être un trader assez efficace, il faut quand même se spécialiser. Alors, quand on commence dans la bourse, c'est super. C'est super parce qu'on peut essayer tout. Donc faire ça en paper trading, hein, quand même, pas flinguer des comptes, mais voir où on est le plus à l'aise, où on ressent mieux les choses. Je serais un trader sur actions absolument minable. Les actions, je ne comprends pas. Par contre, les indices, ils me parlent. Franchement, les indices, j'arrive à voir leur rythme, leur dynamique, j'anticipe bien les rebonds, etc. Le forex, ça ne me parle pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, je suis devant mon écran, je me dis là peut-être, je ne comprends pas vraiment les logiques qui sont derrière. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre son temps pour choisir sa spécificité. Hein. Et d'ailleurs on le voit hein, dans les offres d'emploi pour les traders, ils recherchent des traders ultra spécialisés. Ils recherchent des traders futurs DAX, point. Ils ne cherchent pas un trader futur DAX 440, option Dow Jones, plus un peu de Forex, Euro, USD, et puis pour la fine bouche du gold. Non,
C'est des traders ultra spécialisés. Et je pense que c'est vraiment en passant des jours, des mois, maintenant des années, des dizaines d'années pour moi, sur les mêmes indices, sur le même instrument, que tu commences à bien le ressentir. Voilà, c'est des fois je fais une analogie, c'est un peu comme faire l'amour à une femme, quoi. Au bout d'un moment, bon, quand tu la première fois c'est super, c'est pas une nouveauté, et quand tu as une amante régulière, ben c'est encore mieux. Si tu commences à connaître les réactions, les choses comme ça. Et quelque part, la bourse, tu fais l'amour à ton... Moi, je fais l'amour au CAC 40, je fais l'amour au DAX. Ah, ça te fait marrer? Mais oui, mais il y a un peu de ça. J'arrive parfois à me dire, bon, c'est bon, il va partir, tu vois. Tu entends ton indice, tu le vois graphiquement. Quand tu as un DAX qui passe de 8003, qui va descendre sur les 8000, bon, je veux dire, c'est bon. 7997, tu te mets un ordre d'achat, pas mal de lots, tu sais que tu vas pouvoir le vendre à 8005, 8010 dans le pire des cas. Et que rien que ça, ça t'a fait ton mois et on n'en parle plus, on passe la journée suivante, quoi. Donc vraiment, je pense qu'il faut se spécialiser. Alors il y a beaucoup de traders qui disent oui, mais tu t'ennuies parce que tu en fais que deux, il se passe toujours quelque chose en bourse. Mais le problème, c'est je pense que l'esprit humain, moi du moins, j'arrive pas. Je trade le CAC 40, le DAX. Je sais très bien le faire. Si jamais je me mets à trader l'euro USD, je vais devoir essayer d'appliquer les mêmes méthodes qui ne vont pas fonctionner. Chaque indice, chaque indicateur a une histoire. On ne va pas trader le gold comme du pétrole, etc. Donc faut pas que ce soit un fourre-tout. Faut essayer vraiment de se spécialiser. Et pourquoi je trade les indices? Parce que ça me paraît beaucoup moins risqué que les actions. Parce que le jour où un indice fait moins 10, je l'ai vécu pas mal de fois, 5-6 fois, un moins 10%, c'est un crack, il se passe un événement majeur. Une action qui fait moins 10, on en a tous les jours. Donc au niveau du money management, je trouve moi que les indices, c'est beaucoup moins risqué. Et une action, il y a un côté complètement aléatoire. Vous êtes sur du Microsoft, le PDG a une crise cardiaque, le cours s'effondre, quel est le rapport? C'est pas grand-chose. Il y a plus d'événements qui peuvent survenir et faire basculer le cours d'une action. Un indice, comme finalement c'est un panier d'actions pondéré, je trouve pour ma façon de trader qu'on peut lisser le risque comme ça. Et puis un indice ne tombera jamais à zéro. Parce que le CAC 40, imaginons qu'une entreprise du CAC 40 qui fait faillite, ça ne deviendra pas le CAC 39. Non. On prendra la 41e valeur, voilà. Exactement. Oui, ça c'est vrai que c'est un aspect important. Est-ce que justement toi ça t'impacte? Est-ce que tu es plutôt un biais acheteur naturel ou pas spécialement? Non, tu peux aller sur la vente comme de l'achat sans aucun problème. Puisque comme tu le dis, ça je pense c'est important de le rappeler, effectivement un indice c'est composé de toute façon, en l'occurrence CAC 40, des 40 plus grosses capitalisations. Donc forcément c'est 40 boîtes qui marchent bien. Donc à terme on est quand même plutôt tourné vers la croissance sur un produit comme le CAC. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça impacte ton biais sur les marchés? Alors il y a... Ça, j'en ai parlé avec des dizaines et dizaines de traders. Il faut connaître son biais psychologique. On a un biais psychologique. Je connais très peu de traders qui sont aussi à l'aise à l'achat qu'à la vente. Moi, personnellement, je suis super à l'aise à l'achat. Dès que je suis en VAD, psychologiquement, je sens que je ne suis pas à l'aise et j'ai de beaucoup moins bons résultats. Oui, je t'avais dit, j'ai arrêté 6 mois et j'avais tout analysé. J'avais analysé, par exemple, qu'à l'achat, j'avais un taux de réussite qui était 20% supérieur à des ventes à découvert en VAD. Donc là, c'est pour ça, souvent on se fout un peu de moi, mais 99% des positions que je prends même en scalping, c'est à l'achat. Ah oui? Ah ouais, ouais. Je scalpe sur les supports, j'achète les supports, les intégrations de supports, et les résistances, comme je me sens beaucoup moins à l'aise, je laisse passer, c'est pas grave. Une journée, on va se balader sur les résistances, c'est une journée où à la limite, je vais pas trader, où je vais pas scalper. Et moi, j'ai ce biais haussier psychologique. Alors à tel point que même quand les marchés s'écroulent, tu vois, en 2011 le marché s'est écroulé, quoi, vraiment août 2011, septembre octobre, les marchés sont complètement écroulés. Moi j'attendais, j'étais toujours à l'achat, j'attendais une énorme baisse en toute vitesse de 80 points en quelques minutes. Je me mettais à l'achat. Alors là mes supports, si tu veux, habituellement je me mettais 5 points sous les supports. Bon là, vu la volatilité, etc., je me mettais 15 points en dessous les supports et je rejouais pareil les réintégrations. Et finalement je faisais la même chose. Oui, donc là c'est un truc qui est super important. C'est aussi adapter, si comme moi on est un peu un trader sur support et se dire le CAC 40, le DAX, j'achète toujours 5 points en dessous du support. On s'adapte avec le VIX, quoi, avec la volatilité, hein.
en pleine panique boursière où ça, on va pas se mettre à moins 5 sous le support, on va se mettre à moins 10, moins 15, moins 20, voire même moins 25. Il faut constamment s'adapter. D'accord ? Et là, la volatilité, c'est quelque chose qui est assez importante. Par exemple, là, actuellement, on est on est au mois de juillet-août. Bon, c'est pas des marchés. On est sur la saison des résultats américains. Donc là, c'était ce que je marquais. On est dans un trend depuis 15 jours. On est dans un petit trend haussier tranquillement. Et qui est très, très classique. Hein, les actions, les résultats trimestriels américains, quand ils sont bons, et là, ça tombe, ils sont bons. On l'a vu tout de suite avec Alcoa. On s'est dit, bon, bingo, Alcoa est bon, on achète. Et on se fait 0,3, 0,4, 0,5% quasiment tranquillement, doucement tous les jours. Bah, sur 3 semaines, on peut se faire 5-6%. Un peu de levier. Voilà. Donc il faut s'adapter. Il y a des périodes où je ne traite pas du tout, par exemple, entre Noël et le jour de l'an. Non, ce n'est pas parce que je suis complètement bourré. non, mais c'est pas. Enfin, peut-être aussi un peu, mais c'est parce que c'est des marchés, il n'y a aucun volume. Si on chope mal la tendance, j'ai vécu la mort lente comme ça, une année où je crois que j'étais à l'achat entre Noël et le jour de l'an. Non, j'étais à la vente entre Noël et le jour de l'an, et puis tous les jours, hein, ça dure que 5 jours, plus 0,4, plus 0,5, et à la fin de la semaine, tu te trouves avec un moins 2,5%, voilà, en te disant, mais moins 0,4 c'est bon, demain on va se refaire, bah, plus, voilà, voilà, etc. Tu accumules, donc vraiment s'adapter. Ok, donc par rapport aux statistiques que tu donnais tout à l'heure, tu parlais notamment, tu disais voilà, par exemple, quand on est au S3 mensuel, ouais, on a 95% de chances de se retourner. Est-ce que c'est des statistiques que tu as calculées précisément, ouais, ou est-ce que c'est du feeling? Et si c'est calculé précisément, quelle méthode tu as employée? Est-ce que c'est vraiment en faisant toi-même de l'étude, ou est-ce que tu as utilisé des algorithmes, des choses de recherche automatique ou programmées en tout cas? Alors ça, j'ai fait ça, j'essaie de le maintenir à jour tant bien que mal, j'ai fait tous ces calculs-là en 2006. Donc je voulais vraiment simplement essayer de trouver des choses à fort taux de réussite. Voilà. Et je les ai fait moi-même à l'époque, c'est-à-dire à la mano. Hein. Donc j'étais chez IB Interactive Broker à l'époque, je reprenais j'avais d'ailleurs payé un flux pour reprendre l'historique. J'ai repris l'historique sur les 6, 5, 4, sur les 3 dernières années. J'avais mis simplement tous mes points pivots journaliers. Et je m'étais dit hebdo et mensuel. Et je m'étais dit, bon, je pars du postulat que je me mets à acheter le S3 mensuel sur 3, 4, 5 ans. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, j'ai fait ça. Alors maintenant, il y a des logiciels qui vont vous calculer ça extrêmement rapidement. Bon, là, j'avoue que j'étais un petit peu encore avec mon crayon papier et compagnie, quoi. Mais je me dis que c'est pas plus mal parce que je me suis comme ça payé des journées sur 3 ans. Tous les jours, j'ai réanalysé les courbes, etc. Votre logiciel, vous faites le petit programmation, vous appuyez sur le bouton, il vous donne le résultat. Il va vous donner 83, 84% de taux de réussite, 78%, etc. Là, ça m'a permis, sur un postulat, d'en voir d'autres, en fait, des postulats. Tu vois, je pense vraiment qu'on est toujours, c'est le prix, quoi. C'est à nous d'être actifs, de voir nos graphiques et pas d'attendre que tu as le RSI 14 bidule qui va te dire attention, si ça touche à 21, t'achètes à 21, etc. Ça peut marcher sur des trends, mais l'idée c'est d'essayer de trouver des statistiques à forte probabilité qui marchent dans les trois sens. Il y a trois sens en bourse. Ça baisse, ça monte, c'est flat. Là, depuis 2 ans, c'est extrêmement facile de gagner de l'argent. Ça ne fait que monter. J'étais acheteur, j'ai acheté du DAX, tiens, tu vois, un truc hallucinant, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai acheté du DAX en futur, superchargé en plus à 5000 points. 5000. La journée, on a dû descendre à 4985 dans la journée. C'est remonté tout de suite et là je me suis dit ça là, j'étais chargé comme un gros porc, hein, faut être clair. Hein. Je me suis dit ça, je leur vends à 6000 et puis peut-être 7000. On est monté à 8000. D'accord. Vu comme j'étais chargé, ça me faisait, en le vendant sur du 8000, ça me faisait quasiment un demi-million d'euros de gains. D'accord. Un demi-million, tu vois, 500 000 euros. J'ai gagné 5000 euros. Parce que t'as coupé trop tôt. Comme un gros porc. Voilà, parce que j'ai coupé trop tôt, parce que c'est monté, j'ai vendu à l'époque à 5050, voilà, sur la même journée, tu vois, psychologiquement je m'étais dit, ça mon gars, c'est un swing, tu vas le garder minimum 2 semaines, 2 mois, 2 ans s'il le faut, on va revenir à 6000 sur 7000 certainement,
J'avais fait mon petit calcul, voilà, donc super. Voilà. Et je l'ai vendu à 5050, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc j'étais à 100 euros le point, j'avais 4 lots. Donc je me suis encaissé 5000 euros en me disant, demain, je vais leur choper plus bas. Demain, ça va ouvrir, il n'y a pas de souci. Ça va ouvrir à 5025, 5030. Là, je recharge et je suis parti. Et ben de mémoire, ça a rouvert, ouais, mais ça a rouvert sur un open gap haussier. Donc du coup, ça a dû ouvrir vers, je sais pas, 5080 ou 5100 ou 5125. Là, je me suis dit, bon, bah non, je l'avais à 5050, je vais attendre 5050. Bah voilà, j'ai attendu, il est remonté à 6000. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi, c'est même tout ce que tu prévois statistiquement, ça marche. Mais est-ce qu'après, derrière, tu as la psychologie pour appliquer réellement ce que tu fais? Ouais. Voilà. Voilà. Hein, si tu veux, si j'avais gardé 18 mois mon truc, j'aurais 500 000 euros de plus sur mon compte. Voilà, là j'en ai 5000. Et je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai chopé pile quasiment le plus bas de cette époque, quoi. J'avais juste à attendre. Hein. Tu vois, et c'était tous mes calculs statistiques, que j'avais 90-92% de chances que ça reparte, que ça prenne minimum 10%. Donc j'aurais au moins pu me dire, tu le gardes jusqu'à 5500, ça aurait fait déjà. Non, mais je ne l'ai pas fait. Donc si tu veux, toutes les statistiques que tu peux avoir, après il faut voir si le gars derrière. Ça fonctionne, quoi, tu vois. Et donc j'étais certainement trop âpre au gain. Tu vois, je me suis dit, putain, 5000 euros la journée, c'est pas mal. J'encaisse, je vais leur choper plus bas. Et puis, bah voilà, quoi, j'ai pas. 48 heures après, ça devait être à 5250. Ne serait-ce que vendu là, ça faisait 25 000 euros, quoi. Donc après, tu commences à t'énerver, tu dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais attendre que ça baisse, bah, ça part baisser. Donc après, j'ai repris le train haussier à 6250, quoi, quasiment 1200 points plus tard. Voilà. Ok. Alors, un aspect qui est important, notamment quand on vit en France, par rapport à l'activité de trader, bah déjà, pendant longtemps, ça a été, notamment sur tout ce qui est CFD, etc., très peu, on avait du mal à déclarer ses revenus, on ne savait pas trop dans quel cas les mettre pendant un moment. Là maintenant c'est peut-être un peu mieux parce qu'ils publient des IFU je crois, des choses comme ça, les courtiers. En fait, je voulais te demander, pour toi qui vis du trading, en tout cas en partie du trading. La bourse a toujours été simple, hein. Tu déclares tes bénéfices ou tu déclares tes pertes. Après ceux qui disaient oui j'ai du mal à déclarer et tout, c'est qu'ils ne voulaient pas déclarer. C'est extrêmement simple la bourse, hein. Tu as deux cases, hein. Tu as tes gains, point. Alors que tu les fasses sur Turbo, CFD, Futur, Varan, peu importe, tu es au courant. Alors c'est vrai que les brokers au début ne donnaient pas l'IFU, mais bon, tu savais que tu avais mis 10 000 euros sur ton compte, si à la fin de l'année tu avais 13 250 euros, bon, tu savais que tu avais gagné 3 250 euros, qu'il fallait mettre ça dans ta case VH plus-value. Tu vois, donc ça c'est en fait un faux problème, mais tu veux parler de la fiscalité en fait qui s'applique, voilà, pour un trader. Ouais. Ouais. Alors, et quelles sont les solutions si on commence à gagner de l'argent régulièrement pour... vivre pour optimiser. Alors bon, grosso modo, en faisant tous les calculs, tu vas lâcher au minimum 50% de ce que tu vas gagner. Ouais. Donc ça veut dire que si tu te dis bon, par rapport à ma façon de fonctionner, de vie, il me faut 3000 euros par mois, il faut que tu arrives à avoir des gains entre 6000 et 7000 euros par mois de trading, ouais, pour arriver à peu près à ces 3000 euros. En simplifiant, tu laisses 50%. D'accord. Une entreprise de trading, c'est comme une entreprise tout à fait normale. Alors, peu importe le statut, c'est à certains statuts où tu peux faire, au lieu de payer 50%, tu vas payer 46, 45, bon, tu vas gagner un petit peu. Mais bon, grosso modo, pour ne pas prendre de risque, tu divises par deux. Tu gagnes 5000 euros en trading de manière régulière, c'est 2500 euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne vas pas gagner tous les mois. Il y a des mois, tu ne vas rien gagner. Rien, tu vas faire zéro. Il y a des mois, tu vas perdre. Tu vas taper dans ton capital. Le capital pour un trader, c'est le fonds de roulement d'une entreprise. Donc tu commences par exemple, je sais pas, tu as 100 000 euros, c'est ton fonds de roulement. C'est ton capital que tu vas faire travailler. Donc à la fin du mois, tu peux être à 105 000 euros. Tu as gagné 5 000 euros, c'est bien. Tu peux être à 100 000, tu as bossé un mois pour rien. Mm-hmm. Tu peux être à 92 000, tu as entamé ton capital de 8% sur le mois. Donc l'objectif déjà quand tu fais du trading, c'est sur une année, ne pas taper dans ton capital. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait avoir un capital et avoir de quoi vivre pendant 2 ou 3 ans. Tu vois, donc tes 100 000, si ta première année de trading, ça marche pas très bien, tu ne gagnes pas d'argent, tu ne vas pas taper dans ton capital, dans ton fonds roulement pour vivre.
tu as de côté ailleurs, tu as 30 000 euros par exemple, et tu vas payer ton loyer, tu vas manger, etc. avec. Tu comprends? Il faut essayer de maintenir coûte que coûte ton fonds de roulement en capital. C'est ça qui te fera vivre. Si tu gagnes de l'argent, idéalement, si tu gagnes de l'argent, idéalement, il faut que tu en mettes une partie de côté. D'accord? Alors, tu as des super mois en trading. Il y a des mois où tu te dis, c'est génial, j'ai gagné X euros. Waouh, la belle fille, machin, mais si tu commences à tout claquer, le mois d'après, si tu perds de l'argent, c'est pas bon. Donc, idéalement, si tu te dis, bon, moi, il me faut 3 000 euros pour vivre, il faut que j'en gagne 6 000. Si tu en gagnes 10 000, tu vas pas faire le cacou. Tu vas provisionner, tu vas en mettre 4 000 de côté dans ta boîte pour le mois qui sera difficile. Pour le mois où tu vas perdre peut-être 3 ou 4 000 euros. D'accord? C'est ça en fait. Il y a beaucoup de traders qui ne tiennent pas dans le temps parce qu'ils ont, ils peuvent bien trader, mais ils n'ont pas la gestion de la perte. Dans le sens où une année qui va pas être, une année qui va pas être bonne, ils vont, leur capital de 100 000 euros, il va tomber à 80 000 euros par exemple. Bah, c'est d'autant plus difficile pour tenir après dans la durée. D'accord? Si par contre l'année d'avant ils avaient gagné en net hein, dans leur poche, une fois déduits les impôts, je ne sais pas, 40 000 euros, qu'il leur faut 30 000 euros pour vivre de manière convenable, il fallait mettre 10 000 euros dans le capital de la boîte pour prévoir les temps difficiles. Je crois que c'est ça, c'est beaucoup de gens font prévoient toujours le meilleur. Des fois sur mon forum, je vois le mec qui dit ouais, j'achète et tout, ça va monter à temps, quoi. Donc je lui dis, déjà tu calcules ton levier, t'es en combien? T'es en 7, 8, ok, d'accord. Ah oh oui, mais ça, je suis sûr, ça va prendre 10% et tout ça. Ben, ok. Et si ça fait moins 10, tu fais quoi? Et là, gros blanc, ben, moins 10, levier 8, t'es à moins 80%, t'es ratiboisé. Donc en fait, quand tu trades et que ben, c'est une entreprise, quoi, c'est ton capital, je prévois toujours le pire. Je prévois toujours le pire. Je ne me dis pas, en plaçant ce trade-là, par exemple, si je reprends le trade sur 5 000 sur le DAX. Quand je l'ai ouvert, je me suis, bon, j'ai calculé, je me suis dit, bon, si je pouvais gagner ça, mais j'avais calculé mon risque maximum. Je m'étais dit, mon risque maximum, à 4 000 sur le DAX, je suis encore, pour un swing sur plusieurs mois, voire années, ce qui était prévu, qui a duré 24 heures en fait, je suis encore là, je suis encore vivant. Tu vois? Donc c'est ça, dès qu'on ouvre une position, il faut se dire, je la prends, si ça se passe mal, si le marché fait moins 10. Est-ce que je suis encore là? Si la réponse est je ne suis pas encore là, ou alors mon capital, mon fonds de roulement, il se prend une telle claque qu'après c'est difficile de vivre, faut pas ouvrir la position. Ou alors on l'ouvre mais on ne prend pas 6 lots, on va prendre un lot, etc. C'est ça vraiment là. Avant d'ouvrir une position, c'est se dire si ça se passe mal, est-ce que je suis toujours là? Et vraiment, c'est ça, c'est une sorte d'instinct de survie. Et c'est très différent quand tu deviens trader pro, quand c'est l'argent qui doit rentrer, que quand tu n'es pas un trader pro. Quand t'es pas un trader pro, tu tentes les gros coups. Enfin, du moins, moi, j'étais comme ça. J'essayais de tenter les gros coups pour faire monter la somme le plus vite possible, et en me disant, waouh. Bon, je me rappelle, à l'époque, c'était Click Option. Je sais pas si t'as connu Click C'était Option. la Société Générale, ça? Ouais, c'est la Société Générale. Ils ont fermé d'ailleurs parce qu'ils ont plutôt perdu de l'argent à la fin. Ah ouais, parce qu'il y avait des super traders. Hein. Il y avait un trader avec un nom asiatique, je sais plus trop quoi. On avait les résultats tous les mois. On voyait les sommes que gagnaient les gens. Tu avais un classement mensuel et tu en avais un, tu voyais 100 000, 120 000, 250 000 euros, ça faisait rêver quoi. Moi j'étais classé de temps en temps dans le truc mensuel, mais plutôt vers les 9 dixièmes. Il gagnait 2, 3 000 euros, tu vois. Tu avais dixième, il avait gagné 3 000, 5 000, 8 000, et tu en avais les trois premiers, c'était 80 000, 100 000. Après, va savoir quel capital ils avaient. Si les gars ils avaient 500 000 euros, qu'ils ont gagné 50, bon, c'était pas extraordinaire. Ouais. Et donc, les clics options, par exemple, j'avais monté en 6 semaines 5 000 euros en 25 000 euros. De 5 à 25. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'était que je voulais passer au futur. Et les futurs, sur Interactive Broker à l'époque, il fallait 25 000 euros pour ouvrir un compte. Et par rapport à ce que je gagnais et tout, j'avais calculé qu'il me fallait 5 ou 6 ans pour mettre de côté les 20 000 euros qui me manquaient. J'avais 5 000 euros sur mon compte. Je me suis dit, bah, je prends les 5 000. De toute façon, que je les ai ou que je les ai pas, ces 5 000 euros, ça ne va pas me changer ma vie. D'accord? Par contre, mon objectif, je ne vais pas attendre 5, 6, 7, 8 ans en épargnant tous les mois pour pouvoir ouvrir un compte futur. J'ai mis tant qu'à faire, je prends les 5 000. Et c'était du casino. J'aurais pu à la limite aller au casino, je dis tiens, je mets tout sur le noir, le noir sort 3 fois et c'est bon, j'avais 5, 10, 20 et 40 000 euros. Voilà. Par contre, je suis passé de 5 à 25, j'ai fait, je crois, une trentaine d'opérations.
Je suis passé 3 fois au bord du chaos total. Ça veut dire que je m'en suis sorti, j'ai dû faire, je sais pas, en grosso modo, un ordre d'idée, 5, 8 000, 10 000, 12 000. 12 000, à un moment, je suis retombé à 1 500. Et puis, bah, boum, c'est reparti. C'était des leviers à 50, 60, hein, sur Click Option, c'était énorme. Et j'ai fini à 25. D'accord, j'ai pu ouvrir mon compte sur Futur, etc. Donc, tu vois, là, on n'est pas du tout dans la même logique. Hein. Quand on n'a pas assez d'argent, on est dans la logique, on essaie de faire des gros coups, etc. Par contre, quand tu as suffisamment d'argent, que tu passes au trader pro, que tu dois en vivre, tu n'es plus dans la logique d'essayer de multiplier ton capital par 2, 3, 5, 10. Tu es dans la logique que ton capital te rapporte du pognon régulièrement, mm-hmm. et surtout de ne pas le faire descendre. Mm-hmm. Donc là, mon jour d'aujourd'hui sur le capital que je consacre au trading, j'ai absolument pas l'ambition de te dire « Ouais, dans 5 ans, j'ai doublé. » Mon ambition, c'est de te dire « Dans 5 ans, 1, je suis toujours là. 2, j'ai pu vivre relativement bourgeoisement avec les gains que j'ai faits et j'ai à peu près le même capital ou un petit peu plus parce que bon, faut prendre en considération l'inflation, etc. Tu vois, t'es plus dans la logique de dire j'ai 100 000 euros à la fin de l'année, je veux 1 000 000 d'euros. Là, tu dis j'ai 100 000 euros à la fin de l'année, je veux avoir gagné 25 000 euros, etc. Et être toujours là, c'est plus du tout la même démarche. Et là, en fait, tu t'apprends à devenir prudent. Mm-hmm. Et quand t'es prudent, tu ne prends pas des grosses bananes. Et si tu ne prends pas des grosses bananes, bah, tu as quand même plus de chances de durer sur les marchés. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai un capital qui est assez important et j'ai 40 ans. Donc là, ma boîte tourne bien, etc. Bon, peu importe. Mon objectif, ce n'est pas de garder ma boîte pendant des années. Tu vois, là, je la développe à fond. Au bout d'un moment, je vais essayer de trouver un acheteur et je vivrai que du trading. Ouais. Voilà. Et donc, mon objectif, c'est de me dire non. 40 ans, j'aurai 80 ans, il faut encore que ce capital me permette de vivre, quoi. Donc, t'es pas du tout dans une logique de croissance exponentielle quand t'arrives à un certain niveau. Je sais pas si je suis clair. Pour moi, c'est tout à fait clair, ouais. Du coup, bah, beaucoup de gens qui viennent au trading sont pas forcément, sont plutôt comme ce que t'as décrit au départ. Donc, c'est des gens qui ont parfois plus ou moins de capital, mais en tout cas, déjà quand on arrive, on est assez naïf forcément, on ne connaît pas bien la réalité des marchés, etc. Est-ce que d'après toi, en fait, pour durer dans le trading, c'est vraiment un plus d'avoir une activité à côté, d'avoir un métier à côté, de faire ça en complément? Est-ce que, même carrément, tu penses que c'est indispensable? Alors, moi, je te dis, à 22 ans, j'ai commencé le trading, j'avais 10 000 francs. C'était 1 500 euros, j'avais bossé 2 mois... J'étais étudiant à l'époque, j'ai bossé 2 mois à castrer des maïs et je m'étais fait un peu d'argent, j'avais récupéré, je m'étais lancé comme ça, si tu veux. Donc on a tous commencé à zéro. Enfin moi du moins, je suis pas un fils à papa, je suis un fils d'ouvrier, j'ai jamais hérité. Donc j'ai hélas commencé qu'à 22 ans parce que j'avais pas d'argent avant. Mmh. Avant, une fois que je payais mon loyer, ma bouffe, il me restait rien. Donc je pouvais pas du tout épargner. Alors cette logique, on commence, etc. C'est ça qui est super important. Enfin, j'ai vu des cas absolument catastrophiques où des gens ont eu la chance du débutant. Ça arrive, hein, c'est clair. Ils ont passé de 2000 euros à 80 000 euros, à 80 000 euros sur leur capital. Ouais, j'ai eu un cas comme ça. Il m'a envoyé un email, il m'a dit c'est normal. Non, c'est assez exceptionnel, mais à mon avis, pour que tu fasses 2 à 4, t'as utilisé quoi comme levier? Réponse par email, c'est quoi le levier? Ah oui. Ah putain. Il tradait quoi ce gars-là? Il tradait du Apple. Du Apple, il est arrivé super au bon moment et tout, c'est parti. Mais il était des leviers à 20, 30, 40, 50, il s'en rendait pas compte quoi. Et je lui ai dit, mais attends, c'est bon, prends tes bénéfs, c'est exceptionnel, tu juste, exactement, pars en vacances, dépense pas trop, tu commences à avoir un capital intéressant, etc. etc. Pour la petite histoire, il a fini à zéro, quoi. Et j'ai pas arrêté de lui dire, mets au moins des stops, assure à 60 000, à 50 000, t'imagines, il te restera toujours 50 000 euros. Et ça a été ce qu'on voit, hélas. Classiquement 80, 60, 50, c'est pas grave, je vais me refaire, ça va remonter à 100, 120, j'en suis sûr, bam, 30 000, ouais, non mais là c'est bon, bam, bam, bam. Donc,
Il était, c'en était un autre qui t'avait arrivé à peu près à des résultats comme ça, totalement faramineux, quoi. Tu vois, ça te fait rêver, et qui était prêt à lâcher son boulot, quoi. Bah, s'il s'était dit, bah super, si je fais ça, ça m'a l'air facile et tout. Si je fais ça 1 an, 2 ans, j'arrête mon boulot, je gagne 1 000 euros par mois. Là, j'en gagne 5 000 par mois facilement en bourse, entre guillemets. Et bon, là, j'ai dû intervenir, je l'ai appelé et tout, quoi, pour lui dire non, non, attends, il avait gamin, enfin, tu vois, un truc ouais. absolument dingue, quoi. Là, c'est pas ton boulot, quoi. Avant de me lancer, entre guillemets, en me disant je me lance dans le trading et tout ça, en 2010, quand je me suis lancé, j'ai pas eu des résultats fabuleux. Hein. Enfin, je t'ai dit, j'étais pas terrible et tout. J'ai vu que j'avais des. Ben, je voulais gagner mon argent, quoi. Je me dis, ah, le 10 du mois, tu n'as pas gagné un rond. Tu dis, bah attends, il y a le loyer, il y a tout. Donc, je me forçais à trader. C'est pour ça que après j'ai mis au jeu vidéo pour attendre des bonnes occasions. J'ai créé la boîte et tout. Donc, vraiment, un conseil à faire, c'est garder son job. Coûte que coûte, il faut au moins gagner régulièrement de l'argent, de manière très régulière, pendant 2, 3, 4, 5 ans. Réellement, enfin, les 3 ans avant de se lancer. Parce que il suffit qu'on arrive sur une période de trend où le marché va monter. Pendant 3 ans, c'est facile de gagner de l'argent. Pour moi, c'est facile de gagner de l'argent quand ça monte, tu vois, aussi, de base. Faudra aussi savoir gérer les 2 années où ça baisse, quoi. Et l'année où ça stagne. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir vécu, savoir si on réussit à gagner de l'argent quand ça monte, quand ça stagne et quand ça baisse. Ça, c'est vraiment le minimum. Et peut-être le truc, là, j'ai un membre sur le forum qui commence à faire ça et ça marche pas mal. Bon, il peut se le permettre, hein, il est fonctionnaire, mais il s'allège, en fait. Il s'allège, c'est-à-dire que là, il consacre une journée par jour au trading. Au lieu de travailler à 100%, il travaille à 80%. Donc, avant de se lancer réellement dans le grand bain, si on peut avec son job, bah, c'est par exemple se dire, on fait un 50-50. On va travailler lundi, mardi, au moins pour assurer, et puis on va essayer de trader 2 ou 3 jours pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, au bout d'un certain temps, on peut se lancer réellement dans le bain. Comme ça, ça... Il faut garder une assurance. Faut garder une assurance. Si ça fonctionne pas, bon bah on peut reprendre son job. Au moins on aura essayé, quoi. Mais il faut. C'est bon, vous avez des. Je connais des situations un peu catastrophiques où bah, un ami à moi, par exemple, parce qu'on va parler de trucs très précis, il a eu un bel héritage. Il s'est mis à vouloir trader avec ça. Il avait une somme assez fabuleuse. Il a tout paumé en 4 ans, quoi. Il a tout paumé en 4 ans. Et là, ben, il est dans les difficultés, il est pas loin du au RSA, quoi, quasiment, alors qu'il avait le... ce qu'on ne gagnera peut-être pas du tout, ça se comptait en quasiment 1 million d'euros. Hein. Donc presque 1,5 million d'euros qui est transformé en 4 ans à zéro, quoi. Et c'est, puis après, désastre psychologique et tout ça. Donc ne pas se presser, quoi. Ne pas se presser. Si vraiment on veut faire ça, je te dis, à mon avis, c'est le faire par étapes. C'est vraiment le faire par étapes et être sûr qu'on est à l'aise dans toutes les phases du marché, quoi. C'est le trading, faut, alors tous les brokers font des pubs, enfin, tu vois les trucs hallucinants, comment gagner 250 euros en 3 minutes, 5000 euros par mois, etc. Tous les mauvais brokers font des pubs comme ça, c'est mentir aux gens. Ce sera toujours difficile de gagner de l'argent, c'est pas facile. Faut des qualités, faut des qualités psychologiques de résistance. Et il faut peut-être attendre 2 ans de plus pour mettre un peu d'argent de côté, vérifier si son système fonctionne, pour augmenter son fameux fonds de roulement, quoi. Tu vois, c'est, parce que c'est ce fonds de roulement, après on va vivre avec ça. Hein. On va vivre avec ça, c'est la machine de l'usine, quoi. C'est ce fonds de roulement. Donc si on commence avec un fonds de roulement extrêmement faible, il faut prévoir qu'on va se prendre 3-4 claques, quoi. Donc des grosses claques, donc son fonds de roulement. C'est pour ça que moi, on avait parlé du money management, je connais ma perte maximum sur un mois. Je t'ai dit, si jamais je fais 22 jours catastrophiques, je sais combien je perds. Bon, c'est 22 jours catastrophiques, je suis encore là pour trader. Tu vois, c'est vraiment essayer de prévoir le pire. Parce qu'il y aura le pire. Le pire arrivera forcément. Si tu es parti pour trader 10, 20, 30 ans, tu vas connaître un crack, tu vas connaître un open à moins 10%. J'ai vu le Dow Jones perdre 900 points en une journée. Oui, 2006. Non, c'était en quoi ça? Le 6 mai 2010. Ah bah donc t'es plus balèze que moi, ça je peux pas te le dire. Il y a le jour où il y a le crack fou. Voilà, le crack fou, 900 points, je crois que c'est plus récent que ça. Hein. Je l'ai oui, vu, non, je me trompais, c'est 2011, 2011, 2010 ou 2011, je l'ai vu il y a 2-3 ans. Bon bah t'es là devant ton truc, j'étais pas positionné. Hein. T'es là devant ton truc, c'est hallucinant. J'ai vu un flash crack en 2010, je crois que c'était en mars, avril, mai 2010. J'étais là devant, j'étais sur Futur et tout, j'étais là, je regarde d'un seul coup, tu vois, il y a tout. Il y a tout, tu vois, tous les indices,
mais en 10 secondes, quoi. Moins 1, bon, moins 2, moins 3. Au bout d'une minute, moins 4, moins 5, t'es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu vois, tout de suite, tu dis, putain, il y a. Moi, c'était. Je me dis, il y a une bombe nucléaire, il y a un attentat à New York. Alors, t'es là, tu te précipites sur Internet, t'appelles à gauche, à droite et tout. Il se passe quoi? Il se passe quoi? J'ai vu la panique sur ce flash crack. Et alors, mais les indices, ils prenaient, ils perdaient, mais 1 ou 2%, mais en 3 secondes. T'étais là, moins 5, plus 2, moins 3, plus 4. Il y a certaines actions qui ont perdu 99% de leur valeur. Ouais. Bon, ben voilà, ce flash crack-là, on le revivra. Sur les 30 prochaines années, tu vas le vivre. Je vais le vivre. C'est tout. Donc il faut pas, si le flash crack, là j'ai mon capital, si le flash crack arrive dans 6 mois ou dans 3 ans et que je suis laminé, moi j'ai un ami, il tradait depuis à peu près 15 ans, il en vivait, hein, il en vivait confortablement. Il avait un capital bien supérieur au mien, ouais. Le flash crack, il a été anéanti. Il a été anéanti, il était sur action. Et alors bien le trading classique, je mets mes stops et tout va bien. Ah tiens, en cas de flash crack, ton stop qui est là, c'est un seuil de vente, hein. Et ben il s'est retrouvé jusqu'à 4% en dessous. Donc avec un bon petit levier, et ben son capital, il en a pris 35% dans la gueule en 5 minutes. Ça lui a anéanti 10 ans de trading, quoi, en 5 minutes. Donc toujours prévoir le pire. J'ai vu sur le Nasdaq des journées à moins de 10 sur le Nasdaq. J'ai vécu ça, j'en souviens très bien sur Nasdaq. À l'achat, j'étais à l'achat, bam, ouverture moins 5, moins 6. On fait pas très fier. Ça finit à moins 10. Moins 10, je craque totalement psychologiquement. Le lendemain, plus 10. C'est revenu au même niveau. Point. Seule différence, c'est que moi, je me suis pris une bonne baffe. Donc, toujours prévoir le pire. On va le vivre statistiquement. Et j'ai fait quelques recherches, je suis spécialisé en histoire économique, hein, en formation, et on se rend compte d'une chose, c'est que les cracks sont de plus en plus proches, et que les gros événements majeurs type flash crack, ils se rapprochent de plus en plus, si tu veux. Donc par exemple, dans une vie, un trader classique pouvait encaisser, on va dire, un crack dans toute sa vie, au début du XXe siècle. Il y a eu le crack de 29, puis après il n'y a pas eu grand chose. Nous, notre génération, on va dire 21e siècle, on va au moins s'en taper 3, quoi. 3 à 4. Voilà. Donc il va falloir être beaucoup plus costaud que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents. Et donc là, il faut vraiment toujours prévoir le pire. On va le vivre. On va le vivre. Tu veux un autre exemple? Là, un truc, je ne m'en suis pas remis encore. On retrouvera les dates faciles. J'étais sur le DAX. J'avais un gain de 3000 euros en vendredi soir. Je mets mon stop. Bon, classique, tout va bien et tout. Le week-end, qu'est-ce qui se passe? Tout totalement imprévisible. Israël se met à envahir le sud du Liban pour taper sur le Hezbollah. Bon, ouverture des marchés le lundi matin, moins 5, moins 6%. Bah là, mais mon gain bénéficiaire, il s'est retrouvé en négatif. Mm-hmm. Tu vois, donc tout peut arriver. Et s'il arrive quelque chose, c'est toujours un week-end. Un truc grave, c'est enquête. Bah là, on sait grosso modo, tiens, je vais te dire, un prochain flash crack, un prochain crack qu'il y aura, c'est quasiment certain au niveau géopolitique, on va avoir un jour ou l'autre où Israël va aller bombarder une ou deux centrales nucléaires iraniennes. Ils l'ont déjà fait en Irak, il y a quelques années. Ils vont pas laisser les Iraniens développer leurs bombes atomiques parce que ils se la prendront sur Jérusalem, etc. Donc ce sera forcément un week-end. Pourquoi un week-end? C'est là où les autres en face, il y aura moins de défense, etc. Si ça arrive, statistiquement, ça a forte chance que ça arrive un jour, là, les marchés vont ouvrir à moins 10%. Quoi. Voilà. Donc toujours, si tu es positionné, te dire un vendredi soir, et si le marché ouvre à moins 10 ou plus 10%, plus 10, c'est beaucoup plus rare, hein, à moins 10% négatif pour moi. Déjà, si tu penses à ça, tu vas réduire ton risque, tu vas réduire ton levier. Tu peux avoir du levier assez important en cours de journée. Tu peux maîtriser beaucoup mieux ton risque. Mais avoir un fort levier un vendredi soir, il se passe le samedi, le dimanche, tu peux pas intervenir, il peut arriver n'importe quoi. Les marchés, n'importe quoi. Un attentat sur Barack Obama le samedi après-midi, ça va pas être beau à voir l'ouverture sur les plages japonaises. Et sur les places européennes le matin, quoi. Donc vraiment, c'est ça. Il faut se dire, on est là pour résister.
pour résister à tout ce qui va arriver. On va se connaître un crack, on va se connaître une dépression, on va se connaître une hyperinflation, on va se connaître un ou deux flash cracks. Et moi, bonhomme, je dois encore être là. Donc chaque position, et un flash crack, ça prévient pas. T'es pas là à te dire, oh tiens, ça va. T'as aucun signal, aucun signal, aucun signal. Et c'est quand moi j'ai vu ce flash crack que je me suis mis au scalping, par exemple. Parce que je m'étais dit, si j'avais pris des positions swing assez chargées, même avec des stops, j'aurais pu me faire laminer. Et je me suis dit, en faisant du scalping, je reste très peu positionné sur le marché. Et quelque part, moins je suis positionné en temps sur le marché, et plus j'ai de chances d'échapper au flash crack. Si je suis positionné 2 minutes et que dans la journée, il y a le flash crack, j'ai des chances de ne pas l'avoir. Si je me prends une position longue avec beaucoup de leviers sur 2 semaines et tout ça, quelque part, mon risque augmente. Voilà. Prendre en compte ces considérations qu'il y a 20 ans, aucun trader n'aurait pris, c'est que on va vivre 3-4 cracks, quoi. Alors ça peut faire de notre fortune, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 4 cracks, tout l'argent qui est perdu, il y en a d'autres qui les touchent. Hein. Ceux qui sont en vente à découvert à fort levier et qui a un flash crack ou qui a un crack, ils récupèrent l'argent. L'argent ne fait que recirculer en bourse. Hein. Il y a des gens qui réinjectent en revenant, mais ça ne fait que circuler. Le jour où je gagne de l'argent à l'achat, j'ai piqué l'argent à un vendeur, hein, c'est tout. À un vadeur, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'on monte toujours les cracks, c'est la catastrophe dans les médias. Ouais, c'est la catastrophe pour la très grande majorité. Par contre, il y en a d'autres, ils se sont fait leur beurre, quoi. Voilà. Ok, alors bah, je te propose un dernier sujet, la trading, avant bah, de passer après à présentation de tes activités, Enlil, où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Donc pour finir, c'est ton avis en fait sur le trading automatique, qui s'est pas mal développé alors, sous plusieurs aspects. Je ne sais pas si tu connais un peu, c'est un avis là-dessus, que ce soit le high frequency trading ou de manière plus, ce qui me concerne plus en tant que particulier, qui va être justement comment automatiser ces stratégies, peut-être pour être plus discipliné, parce que ce que tu nous as dit finalement depuis le départ, c'est bah, qu'il y a l'aspect psychologique qui est important et que même quand on arrive à développer des choses qui marchent et dont on est convaincu que ça marche ou qu'on a des preuves statistiques que ça fonctionne, on peut avoir des faiblesses psychologiques, donc un manque de discipline qui peut peut-être être pallié par le trading automatique. Quel est ton avis là-dessus, en tout cas ? Alors, pour le trading haute fréquence, je t'invite à la conférence que je vais donner fin août à l'université de Caen. Avec, il faut pas croire, hein, je suis peut-être rigolo, mais je suis invité par Louis Pouzin. Donc Louis Pouzin, c'est l'équivalent du prix Nobel d'informatique français. C'est quasiment le gars qui a inventé l'Internet. Et il y a une conférence que je vais faire sur le trading haute fréquence. Et le thème, c'est « Quand l'Internet fera crack ». Donc le trading haute fréquence, en deux mots, c'est un danger incommensurable par rapport à la bourse. Hein. Si on a eu un flash crack, c'est uniquement le trading haute fréquence. Donc on nous a raconté que c'était un trader qui s'était trompé de bouton, au lieu d'appuyer sur 1 million, il appuyait sur 1 milliard. Tu vois, c'est ça. T'as des traders qui ont des boutons pour appuyer sur 1 milliard. On veut bien nous prendre pour des cons, mais pas à ce moment-là. Donc c'est simplement certains algos qui se sont complètement emballés. Et ça a suivi, de toute façon ça se voyait, tous les carnets d'ordre étaient totalement asséchés, il n'y avait plus rien sur les marchés, donc il y avait un gars qui balançait 400 lots à la vente, t'avais le DAX futur qui se prenait tout de suite, qui se mangeait 40 points, quoi, ce qui est pas du tout normal, t'avais plus rien, donc c'était aussi où il y avait un assèchement de carnets. Donc le trading à haute fréquence, ouais, c'est un thème apocalyptique en fait. D'accord. Donc il faut prendre en compte le trading haute fréquence, flash crack. Alors il y a juste un truc qu'on ne connaît pas beaucoup sur le trading haute fréquence et qui m'amuse beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu, mais on a commencé à parler qu'il y avait des manips sur le Forex, que les grosses banques se mettaient d'accord à 16h pile pour fixer le cours. Et là, en fait, on avait des algos à haute fréquence qui chassaient ça. Qui, en fait, quand trop de banques intervenaient dans un sens, ils prenaient la position inverse. Et en fait, le trading automatique haute fréquence de certains hedge funds mettait des baffes aux grosses banques qui essayaient de manipuler les cours sur le Forex. Mais enfin, ça, c'est tout un débat assez complexe. Alors, le trading automatique pour nous. Alors, je ne crois pas du tout au trading automatique tel qu'on nous le vend sur Internet. Alors, le trading automatique, c'est à la mode en France. C'était très à la mode il y a 10 ans aux États-Unis. On nous vend des méthodes, des robots, des choses comme ça. Bon, faut savoir que 95% des robots qui sont vendus en France, ils sont dans le domaine public aux États-Unis.
C'est-à-dire que les vendeurs de robots ont récupéré des trucs, ils ont un peu packagé et puis ils le vendent 100 000 euros, alors que le code source est disponible. Le training automatique, du moins les résultats donnés, c'est très facile de trouver un robot qui fait 80-90% de résultats. Pourquoi ? Parce que tu as les données du passé. En fait, tu backtestes intensément les données du passé. Pour donner une image qui parle bien, c'est comme si tu avais une partie de poker, toujours la même. Vous êtes 10, c'est la table finale, hein, t'es à Las Vegas et tout, tu reçois toujours les mêmes cartes. Seulement, comme tu connais l'ordre de sortie des cartes, au bout d'un moment, tu vas réussir à trouver le truc parfait pour que tu gagnes si tu connais le jeu. Donc c'est pour ça, c'est que ça marche toujours sur le passé. Sur le présent, les taux de réussite sont beaucoup moins élevés. Pour vraiment qu'un trading automatique fonctionne, il faut assez de capital pour pouvoir encaisser les moins-values et surtout ne pas toucher. C'est-à-dire que idéalement, du trading automatique, je mets mon capital, il y a l'ordinateur via un serveur, enfin bon, peu importe les détails, je ferme la porte à clé. Parce que tous les gens que je connais qui font du trading automatique, et il y a des résultats qui sont assez corrects, ils ont toujours tendance à remodifier constamment. Bon, à partir du moment où on remodifie son algo, où on le retravaille perpétuellement, alors on dit c'est pour s'adapter. En fait, on ne s'adapte pas, ça devient à faire du trading discrétionnaire. Par contre, ce qui est très bien, c'est, à mon avis, c'est le trading semi-automatique. Si j'ai fait du trading semi-automatique, j'aurais vendu mon DAX à 6000. Je ne l'aurais pas vendu à 5050. Le seul problème, c'est est-ce qu'on ne va pas reprendre la main sur la machine ? Là encore, c'est un peu illusoire de croire qu'on programme toute la machine et elle va trader toute seule. Sur le papier, ça marche. Après, est-ce que nous, on ne va pas être tenté de réintervenir ? Moi, je sais que je ne pourrais pas. Je sais que si je vois la machine trader, il y a un moment, je dirais ah non, mais là, c'est pas possible, etc. Et puis, si ça part mal dès le départ, si mon robot me fait moins 10, moins 15, je vais arrêter mon robot. Je vais dire, c'est un robot de merde, je me suis fait avoir, c'est n'importe quoi. Alors que bah, peut-être que justement, il faut le laisser tourner. C'est tout. Donc, on va laisser tourner le robot tant qu'il fait des gains positifs. Puis, dès qu'il va commencer à descendre et tout, on va vouloir l'arrêter, se remettre à leur bidouiller et tout. Et en fait, on va fausser les résultats scientifiques, en fait. On ne faudrait pas réintervenir. Il faudra avoir son algo, le programmer, le lancer, fermer la porte, rouvrir la porte un an après. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas. Je pense que c'est très à la mode. C'est très à la mode parce qu'il y a des hedge funds qui font ça. Bon, il faut savoir que les hedge funds en trading automatique, la crise de 2011, il y en a les trois quarts qui ont fait faillite, hein, qui étaient en trading auto. Hein. Août 2011, ils ont été laminés. Et ces mecs-là, ils ont des équipes de polytechniciens, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas prévu une telle volatilité, etc. Les machines elles ont suivi le code, hein, tout simplement, mais bon, c'était pas. Il y a une gestion du risque qui est quand même assez compliquée. Alors, est-ce que nous, on peut le tenter ? Intellectuellement, ouais, il n'y a pas de souci. On peut le tenter. Semi-automatique, j'y crois un petit peu plus. Notamment, on peut se dire je prends position et après, je laisse la machine. Ouais. Il y a mon stop, il y a mon take profit. Je laisse tourner, d'accord. À la limite, ça se déclenche. Moi, je le déclenche, je lance en semi-automatique, je me barre. Je reviens 2 heures après le lendemain pour voir ce qui s'est passé. Ce temps qu'on va rester là, on va vouloir intervenir. Tu vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et ça fausse tout, Donc la part de faiblesse du trading automatique, ça reste nous, quoi. Et moi, je sais que si je mets mon capital, une petite partie de mon capital, que je lance le meilleur robot qui a les meilleurs backtests et tout ça, je vais venir voir tous les jours, quoi. Je vais voir le résultat. Enfin, je mets, je sais pas, 100 000, je vois 101 000, super. 103 000 le lendemain, ouais, super. 98, ah merde, putain. À la fin de la semaine, je suis à 92. Je vais faire quoi ? Je vais laisser tourner le truc, je vais me dire, oh là là, je l'arrête, il est pas bon et tout. Donc, c'est un petit peu ça qui me fait peur. Intellectuellement, c'est génial, on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses, on peut repérer des phases, etc. Mais en trading automatique pur, honnêtement, je connais quasiment personne qui le fait réellement pur, à moins d'avoir un énorme capital. En plus, il faut vraiment avoir beaucoup de capital, parce que le spread des brokers est quand même assez élevé, etc. Mais pourquoi pas ? C'est pas parce que je ne suis pas croyant que ça ne fonctionne pas. D'accord. Je pense qu'il faut trouver son truc. Moi, je suis trader discrétionnaire. Je pourrais jamais laisser une machine décider à ma place, même si je la programme. Ça marche bien pour moi, donc je vais pas. Ça marche bien pour moi comme ça, donc je vais pas prendre de risque de perturber
ma propre machine interne. Après, du trading automatique qui fonctionne à ce jour, je pense qu'il doit y avoir autant de traders qui font de l'automatique, du discrétionnaire au semi-discrétionnaire qui sont gagnants. Je pense pas qu'il y a 30% de traders en automatique qui gagnent alors que la moyenne c'est 10%, quoi. C'est à peu près les proportions qu'on donne à long terme. À long terme, donc le long terme en bourse, soit dire c'est 5 ans, il y a un trader sur 10 qui sur 5 ans gagne de l'argent régulièrement. Et on a 80-90% de pertes. Alors faut pas non plus être super négatif en disant moi s'il y a 90% de pertes, j'ai pas de chance de m'en sortir sur 5 ans. C'est aussi qu'il y a beaucoup, dans le tas, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Et des gars qui flinguent leur compte en 3 jours, j'en ai vu plein. Hein. Ouais. Les mecs qui arrivent, ils ont 1000 euros, tiens j'achète ça, boum, ils savent pas, ils connaissent pas le levier, boum, ils tombent à 100 euros, c'est fini pour eux. Hein, ou qui arrivent avec des plans en disant je mets 1000 euros, j'ai 1 million à la fin, bon ok, on essaie de me dire attention, réfléchis bien, le levier est trop fort et tout, et on n'entend plus jamais parler sur le forum, 3 jours après, 3 semaines après, la première mauvaise position, ils sont anéantis. Donc si tu veux, tous ces traders là dans le taux de réussite rentrent en compte. Donc c'est pour ça qu'on dit 10-15% de traders gagnants, mais des traders expérimentés qui gagnent régulièrement, on monte à certainement 25-30-35%, oui. Voire 40%. Une fois qu'on a... La bourse, c'est un jeu où tous les jours, tu as des nouveaux qui arrivent, qui ne connaissent pas les règles et qui vont se flinguer. Ils rentrent dans les statistiques, quoi. Oui. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est plus tu vas passer du temps en bourse, plus tu vas progresser en année, tout ça, et plus ton taux de réussite statistiquement va s'améliorer. Tu vois, donc c'est pour ça on dit il y a 10-15% de traders qui gagnent, des traders entre guillemets sérieux qui sont formés, qui ont pensé, qui réfléchissent, qui sont sur un bon money management, etc. Si on retire tous les newbies, quoi, on a bien plus de 15%, quoi. Mais statistiquement, il faut au moins qu'on ait un peu plus de la moitié qui perdent pour que l'autre gagne. Donc on doit être à 40% à long terme sur des traders chevronnés. Qui gagnent très très régulièrement leur vie. Après, on peut monter à 50, peut-être pour 100, 55% des gens qui vont, ils vont vivoter, ça veut dire qu'une année ils vont bien gagner, l'année d'après ils vont perdre un peu, l'année d'après ils vont rien faire, etc. Mmh. Donc c'est toujours ça la question. Moi je me projette en me disant j'ai 40 balais, faut encore que je traite 30 ans, quoi. Si je revends ma boîte, si j'ai envie de voyager et tout, tu vois, le fameux fantasme, hein, j'aimerais bien le vivre, hein, dans un an ou deux, me dire bah je voyage, quoi, ça y est, c'est ça aussi le trading, c'est t'as ton petit ordinateur portable, et puis bah voilà, le rêve, je trade une semaine, 15 jours, je gagne mon argent et je passe 15 jours à visiter, je sais pas, l'Inde ou un truc comme ça. Avoir cette liberté absolue. Je crois que c'est ça qui nous relie tous. On en a parlé. Tu as lancé un site de bourse dès que tu avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu étais déjà dans le truc, la passion et tout. On recherche tous ça, quoi. On recherche cette forme de liberté. Je crois que les derniers aventuriers du 21e siècle, les derniers cow-boys, ouais, mais c'est exactement ça, c'est tout. Moi, je trade pour pas être emmerdé, quoi. Je n'essaie pas de trader pour gagner 100 000 euros par mois. J'essaie de trader pour être libre. C'est tout. Et avec 1000 euros ou 2000 euros par mois, par exemple, si tu veux vivre en Thaïlande, t'es sacrément libre. Ouais. T'as une belle villa, etc. Après, il faut voir la vie que tu veux mener. Mais je crois que c'est ça. Je m'en fous de l'argent. C'est le paradoxe. Je m'en fous d'aligner X milliers d'euros de plus tous les mois et tout. Ce que je veux, c'est être un trader régulier. C'est tout. C'est aligner un mois, un trimestre, une année, 2 ans, 5 ans, etc. De manière régulière et pour pouvoir me projeter. Pour pouvoir me dire, j'obtiens cette liberté. Et cette liberté, tu as des gens, ils peuvent être libres avec 1000 euros par mois. Pourquoi pas, en Asie. Et tu en as d'autres, il va leur falloir pour être libre 10-15 000 euros pour vivre en France et avoir un super confort, etc. Donc c'est pour ça que le capital, il est important, mais il n'est pas essentiel. Bon, moi, je connais des gens qui vivent en Asie, ils ont à peu près 1500 euros. Ils vivent mieux que moi avec 5 ou 6 000 euros en France. Ouais. Tu vois, donc c'est voilà, se dire, il faut pas se dire, oh là là, voilà, bon, tant qu'on est en France, si on veut vivre du trading avec 2500 euros par mois, il faut en gagner 5 000. Alors, il y a peut-être des gens qui nous regardent sur ton site qui vont dire 5 000 euros, j'arriverai jamais à le faire. Ouais, mais bon, ça peut être aussi 2 000 euros en Asie et vivre bien mieux qu'en France, quoi. C'est cette soif de liberté, je crois, qui nous. Et quand t'es trader. À temps plein, bah,
Il faut aussi, ouais, alors ça c'est le dernier truc, il faut pas que le trading te bouffe. Tu es là pour gagner en liberté. Et moi, si je me barre contre ça, c'est que j'ai tendance à trop trader. C'est-à-dire que si je me suis fait la réflexion le mois dernier, je me suis dit, tiens, je laisse en repos la boîte, mes salariés vont gérer le truc et tout. Je me fais 15 jours intenses de trading. Voilà. J'ai gagné pas mal d'argent, ouais, pas mal. J'ai fait 8h, 22h, quoi. Et j'ai fait quoi de mes 15 jours? Rien. J'ai été derrière ces 7 écrans toute la journée à guetter. Est-ce que réellement j'ai gagné finalement en qualité de vie? Non. Donc il faut aussi trouver, quand tu réussis à avoir des gains réguliers, à pas être astreint, si tu veux, à te dire, mais il faut que je trade, parce que tous les jours je gagne en moyenne 300, 400, 500 euros, il faut que je trade. Il y a aussi un moment où il faut te dire, tu trades une journée, 2 jours, 3 jours, tu trades une semaine, et si tu as fait tes gains pour ton mois, bah, peut-être arrêter et prendre une semaine, toi, profiter de la vie. Il y a aussi un côté, et là, faut pas s'en cacher, vachement addictif hein, dans le trading. Hein. On est assez excitant, quoi. C'est tout, je veux dire, c'est excitant. Moi, quand je vois mes indices qui bougent, j'ai l'impression de voir le monde, quoi. Le monde vivre, tu as toute l'économie devant toi, le cours de l'or, etc. Enfin bon, c'est un côté super addictif. Et je connais 2 traders qui ont des résultats, bon, on rêverait tous de les avoir, super réguliers et tout. Moi, je suis un nul à côté, hein. Ils font leurs 20% réguliers par mois, bam, 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 les mecs, ils enchaînent. Hein. Ah oui. Ouais, ils enchaînent, et bon, il y en a un, il enchaîne depuis 4 ans, quoi, tu vois, bam, 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 bam. Bon, chapeau, quoi, tu vois. Il vit pas, quoi. Il est, c'est un otaku, quoi. Il est derrière ses écrans, il fait que ça. Il se lève pour faire les marchés asiatiques et tout. Moi, j'ai vécu ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je tradais 18 heures par jour, quasiment, quoi. Je me levais à 7h30 pour faire les ouvertures sur Futures à 8h. Je faisais 8h, 22h15, non-stop. Pour manger le midi, je me faisais vite fait, je courais, je mettais ma barquette au micro-ondes et je bouffais devant mes écrans. Il y a même des trucs, j'avais une bouteille au cas où, tu vois, si jamais j'étais lourdement chargé, que ça bougeait, que j'avais envie de pisser, je pissais dans ma bouteille. Bah ouais, tu vois, c'est un truc, ouais, t'étais complètement comme ça. Je me couchais à 22h30, je mettais le réveil à 1h du mat pour faire les marchés asiatiques. Je faisais le marché asiatique, une coupure, eux ils savent vivre, hein. Ils ouvrent 3 heures, ils bouffent 2 heures, ils ouvrent 3 heures. Je faisais les marchés asiatiques la première partie, après je dormais 4 heures et je repartais sur le cycle futur européen, etc. quoi. Donc voilà, faut peut-être aussi apprendre à gérer cette addiction. Bon, moi j'en ai une en tout cas, donc là j'essaie de la gérer assez bien maintenant. Et voilà. Et puis un dernier truc là, ça me revient. C'est là où je me suis rendu compte, là, il y a depuis 2 mois, 3 mois, que je commence à être un bon trader. C'est que, alors c'est tout récent, c'est que je m'ennuie à trader. Je commence à m'ennuyer à trader. Ah oui? Ouais. Avant, je tradais, je me disais, je tradais plus pour avoir des émotions, de l'adrénaline, tu vois. Et là, là, je commence à arriver à un système qui fonctionne bien, tu vois. Je veux dire, j'ai quasiment pas de journée de perte exceptionnelle sur un mois. Et je m'en remets les doigts dans le nez et tout, ça rentre, ça commence à m'emmerder. Parce que j'ai l'impression quelque part d'avoir mon système à moi qui tourne bien, et il y a un côté recherche. Il y a un côté recherche que j'ai plus, quoi. Je me dis, voilà, j'ai trouvé mon truc, ça marche bien, l'argent rentre. Et donc, je commence un peu à m'embêter, quoi, à trader. Ça paraît bizarre, mais... Je suis toujours passionné par le monde économique, la bourse et tout, mais le fait de l'acte de trader en lui-même, c'est pas que je m'ennuie, il n'y a plus d'émotion, en fait, si tu veux. J'ai mon setup qui arrive, je prends le truc, ça marche pas, point. Tu vois, avant j'étais là, pourvu que ça marche et tout, j'angoissais, j'avais des suées. Là, c'est la position à un titre, 90%, je prends, bam, ça marche, boum, vendu, ok. Je suis même plus super heureux, satisfait et tout, je me dis voilà, j'ai fait mon job, quoi. La position marche pas, boum, j'en casse la perte. Et je suis plus comme avant dans les trucs, oh là là, j'ai perdu, c'est pas vrai. Toi, d'être dans des états émotionnels extrêmes, je me dis bon, voilà, mon setup était bon, j'avais un taux de 90%, j'ai perdu, c'est pas grave, j'en ai 9 autres derrière qui pourront être gagnants. Et quand t'arrives,
voilà, c'est pas que je m'ennuie, c'est voilà, c'est une sorte de rythme régulier, quoi. Et il y a un bon trader sur mon forum qui avait dit ça. Lui, je pense qu'il est quand même, il est meilleur que moi. C'est il trade comme ça. Il dit ça va, quoi, c'est à l'aise. Et il sait pas combien il a gagné ou perdu à la fin de la journée. Il s'en fout complètement. Il le regarde le lendemain, ouais, il fait son job, il a fait son job. Il intervient sur des setups qui lui conviennent. Ça marche pas, tant pis. Mais voilà, il est d'une régularité absolue. Il a l'air de, j'ai rencontré une fois là, on s'est fait une bouffe, extrêmement zen. Il dit de toute façon, moi mon truc, ça va, quoi. Je fais mon job, tac, j'achète, je vends. J'ai gagné, j'ai pas gagné. À la fin de la journée, il n'est pas capable. Il sait pas de. Bon, il a une idée quand même. Hein. Ouais. Il a une idée de s'il est positif ou négatif. Mais il refait le calcul et des fois, il est super surpris en disant bah putain. Et c'est justement ces journées où il est le plus détaché, où il fait quelque part le meilleur, meilleur taux de réussite. Tu vois. Et moi, ça, j'arrive pas, ça encore. Moi, dès que je suis constamment en train d'ouvrir pour calculer ce que j'ai gagné, etc. Tu vois, dans la journée. Bon, c'est aussi lié à mon money management où je m'autorise une perte maximum et j'arrête. Donc, il faut quand même que je sache toujours où j'en suis un peu. Mais c'est vrai que ça a une incidence, je pense, négative sur mon trading. C'est-à-dire que quand je commence à gagner une très belle somme, je vais tenter plus des trucs que je n'aurais pas tenté. Tu vois, ouais. Si par exemple le matin, j'ai bien gagné. Vraiment, je sais pas, des fois ça m'arrive en une matinée, je me fais mes prévisions sur un mois, tu vois, ou sur une semaine, tu dis bon, bah super, et après je vais prendre plus de risques, tu vois. Et l'après-midi, ça marchait complètement différent, il y a le marché américain, là du coup, par exemple, je regarde plus forcément mes résistances et mes supports sur le DAX, je vais aller jeter un coup d'œil sur le Dow Jones. En fait, je regarde ce qui se passe sur Dow Jones, sur les indices américains, parce que c'est eux qui sont déterminants. Tu vois. Et si tu vois que tu risques d'avoir un bon rebond sur le Dow Jones, bon bah tu anticipes sur le DAX. Ouais, ça c'est un truc. Enfin, les nouveaux traders, souvent ils perçoivent pas ça. À partir de 15h30, quand les États-Unis ouvrent, les maîtres sont là. Le matin, on a fait un peu ce qu'on voulait. Hein, les petits Européens, ils ont tous les chiens fous, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Ils ont monté, ils ont descendu et tout. À partir de, on va dire, de toute façon, on le voit. Les news à 14h30. Bah oui, c'est ça. De 13, voilà. Et après, c'est les Américains qui décident. Donc j'ai vu des journées où on était à plus 3 en Europe, tout allait bien. Les États-Unis se réveillent avec, ça va pas eux, et boum, à la fin de la journée, on se retrouve avec un moins 2 sur les marchés européens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas une nouvelle particulière. C'est juste que les Américains ont dit, ouais, bah nous, on descend ce coup-là. Donc vraiment, l'après-midi, tu trades comme si... Enfin, je regarde que les États-Unis, quoi. Ouais. Je regarde vraiment... C'est comme si je tradais le Dow Jones ou le Nasdaq ou le S&P, mais que je réplique ça sur mes indices européens. Jamais, 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 tu verras les indices américains baisser et voir les indices européens l'après-midi monter. Ouais. Alors ce jour-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais... c'est inimaginable, quoi. Ça c'est jamais arrivé, j'ai jamais vu en 20 ans, tu vois. Éventuellement, ils peuvent résister, mais sans plus. Ok, je pense qu'on a déjà bien parlé trading, on a vu beaucoup d'aspects. Et ben, je pense qu'aussi, on va pouvoir enchaîner là-dessus. C'est si on veut en savoir plus sur toi, mais aussi sur ta méthode de travail, tu es très généreux en information, en partage sur ton blog, ouais. Anil.com. Ben, je vais te laisser parler du blog et justement, peut-être nous indiquer pourquoi tu as été dans cet esprit de partage. C'est un blog qui est assez peu commercial dans l'ensemble. Bon, tu parles de ton broker et tu mets en avant ton broker à qui tu trades, mais sinon, il n'y a pas un aspect commercial. Donc, c'est vraiment un esprit de partage. Qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu penses le faire évoluer? Alors, donc le blog, c'est andlil.com. Ouais, donc là, il y aura andlil.com. Super, incrustation vidéo. Donc, c'est un blog que j'ai lancé en 2010. Donc, simplement pour un blog perso où je parlais de mon amour de la bourse. Je mettais au jour le jour tous mes trades. À l'époque, je tradais beaucoup les futurs, etc. Et j'ai jamais eu une optique commerciale pour le faire parce que sur ce blog, je vends rien. Je vends pas de formation alors qu'on m'en demande. Je vends pas de formation, je vends pas de bouquins, je vends pas de méthode, je mets pas de pub Google. J'ai une seule publicité, c'est pour mon broker. Parce que c'est mon éthique à moi, j'estime que je peux recommander qu'un broker, c'est celui où moi j'ai confiance, où moi j'ai mon argent.
c'est tout. Donc demain, je peux mettre 50 brokers, j'ai des emails tous les jours, ils m'appellent, ils veulent de la pub et tout. Bah non, parce que pour mon éthique à moi, je suis chez ce broker-là, donc je peux recommander que celui-là. Parce que c'est, j'ai tout mon argent de chez lui, donc j'ai confiance. Donc ça, en 3 ans d'existence sur le blog, j'ai changé 3 fois de broker. Donc j'étais avec Interactive Broker, j'étais quelques mois avec Bourse Direct, là je suis avec IG Market. Bah dans 2 mois, ça se trouve, tu reviens, j'aurais changé de broker, donc il n'y aura plus de pub pour IG Market, il y aura plus pour n'importe quel autre broker que moi j'aurais estimé meilleur, c'est tout. Et j'insiste bien sur mon blog, c'est pour moi le meilleur broker pour moi, parce que je trade les indices. Parce que je trade le DAX, etc., etc. Quelqu'un qui vient trader, qui est intéressé pour trader, je sais pas moi, les devises et tout, c'est peut-être pas le meilleur broker. Tu vois ? Donc, il y a plein de gens, des gens qui veulent trader les actions, qui n'ont pas beaucoup de sous et tout. Je les ai envoyés chez d'autres brokers, type Bourse Direct à 99 centimes pour 1000 euros d'actions, etc. Tu vois ? Donc, je pense que c'est ça qui fonctionne bien. C'est que les gens se disent bon bah il est pas là pour nous vendre un truc quoi, donc j'ai pas ma langue dans la poche, donc je suis bon, il y a certains brokers que j'ai descendus, je suis en lutte contre les brokers interdits par l'AMF, donc ceux-là je les descends, je fais de la pub contre eux, etc. J'essaye de voir de prévenir les gens, parce qu'on en a parlé hein, des arnaques inimaginables quoi. Mais et puis il y a une communauté qui commence à se former sur le forum qui est bien sympa quoi. C'est, on rigole bien, on s'est fait une grosse bouffe, on était 18 à Paris en pizzeria, donc là c'est sympa quoi. On voit à quoi on ressemble, on a des traders très différents hein. Beaucoup traders forex, on a des traders gold, des traders indices, actions, enfin, chacun amène son petit truc. Et je dis, c'est une chance d'être sur ce forum, c'est pas un droit. Donc, dès qu'il y a un emmerdeur, je dégage. Ouais. C'est-à-dire, ah bah c'est clair, là je blacklist à tout va, et puis c'est blacklist de l'IP, donc le mec il peut pas revenir. J'ai pas trop le temps de gérer le forum et tout ça. Donc, un emmerdeur, bah, c'est quelqu'un qui vient de faire la pub pour un broker. Un emmerdeur, c'est quelqu'un qui va mal se comporter sur un forum. Voilà. Et c'est l'un des rares endroits où on peut dire putain, aujourd'hui j'ai eu une mauvaise journée, je me suis pris ça dans la gueule, et il n'y a pas 50 personnes qui font arriver, disent ouais, t'es trop nul et tout. Voilà, on n'est pas sur certains forums entre guillemets grand public où on a l'impression que c'est une match de foot, bière contre bulle, machin bidule. On partage, on discute, c'est pas PSG Marseille et compagnie, tu vois. Donc des fois il y en a qui se prennent une grosse cata, bah, on est là pour les soutenir. Certains, on s'appelle au téléphone pour dire ça va, on dit arrête de trader là, c'est pas la peine. Et puis on se partage des trucs. Ce qui m'a vraiment. Là, ça commence à. On commence à avoir des gens, des gros traders, dans le sens gros, c'est des gens qui ont pas mal d'expérience, qui traitent des choses très différentes, les options, les futurs et tout. Et on apprend. Moi, j'apprends encore des trucs tous les jours, quoi. Mm-hmm. C'est ça qui me motive. Et puis, je suis enseignant, quoi. J'ai été enseignant 10 ans. J'étais prof, donc il y a un peu ce côté-là, quoi. J'aime bien. Pour ça que ça marche bien. J'ai plein de gens qui m'écrivent par email. Je réponds. Des fois, je dis j'en ai marre. Je reçois trop d'emails et tout, mais voilà, ça marche bien. Alors les projets pour Enlil, bah écoute, là il va fêter ses trois ans. Donc, bah qu'il fête ses 4 ans, c'est tout, parce que j'ai pas de projet. Si ce n'est le continuer, toi, c'est un blog perso, donc oui, il faut peut-être le dire aux gens, si vous venez, soyez pas surpris, on parle aussi sur le blog, c'est pas que la bourse, quoi. Donc je parle de mes achats high-tech, de mes parties de poker, de mes voyages à Venise, ça reste un blog perso, quoi. 50%, 60%, c'est sur mon trading quotidien, quoi. Mais le reste, ça reste un blog perso, quoi. Voilà, donc quoi dire de plus par rapport à ça, que ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Tu vois, par exemple, Monsieur Vidéo Bourse, on ne serait jamais rencontrés. Donc c'est sympa, on va se faire une bouffe, tu vois, c'est pas rencontrer des gens sympas. Voilà, je vais continuer, je sais pas combien de temps, parce que il y a des jours j'en ai marre, quoi. Voilà, il y a des jours j'ai bon.
C'est bon, tu vois ce que c'est, quoi, avoir un site web. C'est du beaucoup de temps quand même, beaucoup de présence. C'est pas mon job principal du tout. C'est pas un job pour moi. C'est un loisir. Donc ouais, il y a des fois, je dis bon, moi, je vais arrêter. Et puis je fais arrêter deux fois là cette année. Ouais. Et puis c'est reparti sur un email sympa que j'ai reçu. Maintenant, je me sens dépossédé quelque part du blog où le parti forum m'appartient plus. Ouais. Tu vois, la partie forum, je me dis, j'arrêterai pas, ne serait-ce si moi j'arrête le blog, je laisse le forum. Parce que le forum, il y a des gens qui le font vivre, c'est des rendez-vous quotidiens, on discute et tout, donc j'aurais pas. C'est leur espace à eux maintenant, c'est plus moi. Au début du forum, on posait une question, c'était une foire aux questions, quoi, en fait, le forum. Les gens venaient, Benoît, boum, question. Alors je répondais, Benoît, boum, question. Là maintenant, les gens discutent entre eux et tout, donc au moins laisser ça. Mais donc ça, je peux pas te dire, toi, les projets et tout, que ça continue sa petite vie, c'est sympa. Voilà, donc je sais pas, peut-être que dans 2 ans, je serai en Inde et que j'arrêterai le blog parce que j'aurai pas le temps de le faire. Là, j'ai beaucoup de temps parce que j'ai une situation personnelle, comment dire, bah, j'ai personne dans ma vie de régulier, j'ai pas de gamin et tout, quoi, tu vois. Si demain je me marie, j'ai 2 gamins, je pense pas que tous les soirs je vais répondre aux emails aux gens, aller voir si ça se passe bien sur le forum, tu vois. Donc bon, l'espérance de vie, un blog normalement ça dure 2 ans, c'est l'espérance de vie moyenne d'un blog. Ouais, c'est les statistiques, on sait pas trop d'où ils sortent, mais bon, c'est ça. Donc là, ça fait 3 ans, c'est cool. Et puis ça commence à être un peu mon bébé, donc je vais l'orienter peut-être un peu plus vers l'économie aussi. Parce que c'est, je suis prof d'histoire éco, donc j'aime bien, quoi. Puis voilà, c'est. Donc vous pouvez venir, participer au forum. Si vous êtes un chieur, de toute façon, vous allez être dégagé, donc c'est pas la peine. En 2 minutes, hein, je kickban 2-3 personnes systématiquement. Tous les vendeurs de méthodes, de bidules, tous ceux qui veulent venir pour vendre quelque chose, ils dégagent, c'est clair. Et le premier qui dit qu'insulte quelqu'un, machin, bidule, voilà. Ici, on n'est pas sur BIP, mais je ne vais pas dire le nom du principal forum français qui est un dépotoir. Donc, c'est un forum qui commence à être sympa, quoi. Voilà, comme le tien. Bon, bah, ok, merci. Ok, bah, merci Benoît. En tout cas, c'était vraiment intéressant de venir entendre ce que tu avais à nous dire et découvrir le quotidien et le parcours d'un trader qui gagne de l'argent régulièrement et qui vit de son trading. Donc merci pour toutes ces réponses, Benoît. Écoute, je t'en prie. Tu reviens quand tu veux. Okay.